J'ai bien passé, que ce soit Makoso, que ce soit Aya, que Mais ce tu peux soit pas faire un en live tout comme ça et cas puis demander tous des ceux. millions. Tu peux pas faire un Non, live comme mais ça où tu entends parler d'un cas social et puis tu dis envoyez-moi les lions. Serge, après chacun a C'est sa quoi ce genre de live? manière. Serge, chacun a sa manière de faire son live, de diriger son live. Excusez-moi, de diriger son live. Moi, franchement, je leur tire le chapeau parce que c'est une bonne communication. Parce que quoi qu'on dise, dans toutes les communautés africaines, dans la diaspora, comme en Afrique là-bas, quand il y a ce cas de figure, il y en a combien qui dressent des panneaux et qui vont atteindre les 30 000 cas? Il n'y en a pas. Donc, quoi qu'on dise là, que ce soit les influenceurs, les blogueurs ivoiriens, c'est parce que nous, on baigne trop dans certaines choses qui sont inutiles. 30 000 cas, il y en a combien pour ces cas de figure? C'est une communication qu'ils ont passée. Makoso, il dit demain, il passe sur NCI à 19 h. Donc, ils vont encore appuyer dessus. C'est une arme, quoi qu'on. Peu importe, on va dire Oui, mais Madao, pas Madao. Ils ont fait passer. attends, ça veut Ils dire ont quoi? fait passer. 19h, Ils ont. major, c'est l'émission de midi là. Attends, ça Ils ont veut dit dire quoi? Ça veut dire 19h, quoi? ils ont dit Ils 19h. profitent du malheur des gens encore pour se faire encore un nom et aller vendre des huiles d'onction et des pommades encore. C'est pas sérieux, Makoso. Finalement, Serge, arrête ça, non. Serge, arrête ça, Serge, arrête ça. Arrête ça, là tu es en train de le dénigrer. Là Non, c'est du moi je dis la dénigrement que tu vérité, es en train de c'est mon faire. gars, mais je dis la vérité. Fred, C'est ton gars, tu es donc, Fred mais depuis plus longtemps qu'il a, c'est le top même. Les souris nous arrêtent. Attends, Il attends, depuis Johanna, ça le là, jour je où te il a réponds. passé, où il a Johanna, jeté pour Johanna, ça, je vais te quelqu'un répondre pour avant. ça. Parce que j'étais déjà raté une fois et tu viens d'ouvrir la pièce au Pandore. Et ça, je vais pas te rater. Quand tu parles de ton quoi d'abord pour commencer? Non, parce que ça m'a pas plu. Et puis j'ai C'est laissé qui? passer. Quoi ça? Tu parles de quoi en Tu parles fait? de qui? Ça, c'est t'as pas plu. Mais Non, tu tu parles parles de de moi là. quoi? Arrête, oui. Quand il dit truc, on n'a pas le droit de donner notre point de vue. Mais attends, attends, non, 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 c'est Fredo, il a fait comme ça, t'a pas plu. Non, on n'a pas le droit de donner notre point de vue. Non, moi, je ne parlais pas de ça. Hein. Bon, la top est quittée où dans ça là? Oh, tu sais que je rigole tous les jours, il dit ça. Est-ce que moi, je n'ai Bon, pas de sujet? on était dans quel groupe? Moi, j'étais dans quel groupe? Et puis tu. Mais si il dit groupe, Et puis tu. il dit Mais toi, pour que vous êtes les pourquoi on parle top. de C'est top à moi-même ça d'un qui groupe? s'est présenté. On revient au sujet, s'il vous plaît. J'ai pas fini de Franchement, parler. revenons au sujet. Ah, Fred, il est sur les nerfs ce soir. J'ai mal écouté là-bas, je dois aller dodo au prunelle. La prochaine fois, tu Mal. vas faire le béret, là, tu vas Mal. bien Je suis écouter. sur la défense. Je suis sur la défensive. Ah, major. Surtout que tu ne vas pas dans. Surtout que tu ne vas pas Bon, dans mon sens s'il vous plaît, dans ce cas de Mada. il y a mamie Mais Chorobi te qui dit qu'elle guette. dort. Attendez, il y a mamie Chorobi qui dit qu'elle dort sur mon live. Mais la question que je vais te poser, pourquoi tu dors plus sur l'autre live? Défensif. Qu'est-ce qui se passe, mamie Chorobi? Tu viens me blaguer. Tu dis que tu dors sur mon live. C'est Johanna. C'est Johanna. Mais En quoi c'est on Johanna? refait pas le sujet, on refait pas le sujet, on reste sur le sujet, on revient sur le sujet. On Mais parle de quel sujet Yas veut parler ce Oui, soir? mais je parle de Mada, Makoso et Mada, je n'ai pas fini, vous m'avez coupé. Bon, Attends, parle, je dis pas. Yas, Oui. Makoso nous a blagué. Makoso nous a Exactement. blagué. Il a réuni 30 000 personnes pour venir faire sa publicité de Tap Ta Scène. Ça, on doit parler de ça? Exactement, exactement. C'est ma mailleur. C'est ma mailleur. C'est être jaloux de Makoso, c'est tout. Non, mais pour C'est reconnaître ma ses mailleur. qualités. Et puis j'ai constaté que vous, les panélistes, en fait, actuellement, vous êtes très jaloux. Tu sais pourquoi je te dis? Parce que les blogueurs sont venus prendre. Ils sont en train de. Comment j'ai dit? Pour ne pas. Attends, je vais trouver le mot approprié. Ils sont en train de s'installer, en fait. Ils sont en train de bien diriger les panels que vous n'avez pas pu diriger. Et c'est ce qu'on constate. Donc vous êtes tous jaloux. Les blogueurs sont en train de prendre place sur TikTok et ils vont vous montrer comment gérer TikTok. Voilà, parce que Johanna, par exemple, elle était en train d'être bonne panéliste. Un coup, on ne sait pas, elle est rentrée dans quoi, qu'est-ce qu'elle fait, elle voyage, où elle met ses enfants, on ne comprend rien, elle défend tant, elle dit non, si tout le monde défend ça, elle ne peut pas défendre. Voilà, elle a perdu sa place de panéliste actuellement et les blogueurs sont en train de prendre toutes les places. C'est pour ça qu'ils ont fait 30 000 cas ce soir. Non, ne vous plaignez pas. Et vous êtes jaloux d'eux. Voilà. Mais c'est pas qu'on est jaloux, tu sais que les blogueurs vont, ils ont besoin de nous pour faire les bérets, ils maîtrisent pas les bérets. En fait, pourquoi moi j'étais de la vérité, pourquoi les blogueurs maintenant s'intéressent maintenant au panel? En fait, parce qu'il y a plus de cadeaux sur les matchs. Quand ils jouent les matchs, il y a plus de cadeaux. Donc quand il y a plus de cadeaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir faire les panels pour qu'on puisse donner des cadeaux. Sinon, les matchs que tu vois là, quand Leslie joue, il y a plus de cadeaux. Quand Yaka joue, il y a plus de cadeaux. Quand Aya joue, peut-être c'est la suite qui reçoit quelques cadeaux. Bon, en tout cas, ça va, tu vas bien, ma chérie? Bonne nuit. Hein? Il n'y a plus de cadeaux, donc il veut venir faire le beurre. Mais il y a la place pour tout le monde pour faire le Attends, beurre. Serge Motion. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui disait que lui, il propose que tout ça, l'on laisse tomber, qu'on fasse une cagnotte pour payer une maison pour la famille. Mais ils ont Qu'est-ce dit que tu dis? ils ont dit qu'ils ont besoin des maisons. Des gens qui ont 14 maisons.
remplir quelle maison pour les donner. Aïe, c'est Il pas là faut de que quoi t'en madame, arrives. il faut que madame nous explique où les 14. Attendez. Et puis, je vous dis, moi, j'ai vécu au Sénégalais. Les Sénégalais. Sénégalais. Si c'est Ivoirien, on dit qu'il a dépensé 5 milliards, il peut croire. Mais Sénégalais dépenser 5 milliards en 7 ans, l'argent va finir. C'est impossible. En fait, c'est ça, je voulais revenir. Parce que quand vous dites milliard, il faut préciser en francs CFA. Parce que moi, au début, Oui, quand en vous francs dites CFA, milliard, oui. En francs CFA. au début, quand vous dites un milliard, je pensais que c'était en euros. Non, non, en francs CFA. En francs CFA, je te promets que c'est possible. Il suffit qu'elle Non, va acheter des bulles. non, pas les Sénégalais. Attends. Pas les Sénégalais. Non, ah, toi aussi, non, yes, toi aussi. Attendez, attendez. Même si c'est en francs CFA, toi aussi. Je viens. En moins de combien d'années, toi aussi. Je viens. C'est parce qu'on a dit qu'il avait. C'est possible. C'est très possible. C'est même pas écoutez, possible. C'est très non, possible. Attendez, je vous explique. C'est possible de réaliser avec, mais pas de dilapider comme ça. C'est pas possible. Oui, mais attendez, c'est je détaille. C'est possible de bien attendez, dilapider. Mais je détaille, hein? je détaille, je donne mon point de vue. Après, vous allez me Attends, dire. Yas va parler, Yas va parler. Voilà, je détaille, après, vous me donnez votre point de vue. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est pas. Oui, c'est vrai que toi, tu as fréquenté les Sénégalaises, etc. Mais il faut savoir qu'elle aussi, elle a baigné dans le luxe. Elle marchait avec l'ami de son ex, enfin, son mari, qui est aussi quelqu'un qui était quelqu'un de la nuit, qui aimait le luxe. Attends, il suffit que tu achètes des sacs Hermès, les Birkin coûtent très très cher. Il suffit que tu achètes des sacs de luxe, des montres de luxe. Il suffit que tu achètes. Bah, on dit qu'elle prend la poudre. La poudre, mais ça. Ça c'est on dit, hein. Mais C'est rien qui est vrai. ça, c'est les on dit. C'est les on dit. C'est les on dit. C'est pour ça que je dis on dit. On dit. On dit. Voilà. Je pèse mes mots. Si elle prend la poudre, mais ça va très très vite. Eh, mais quand tu as un train de vie luxueux, l'argent, ça part très très vite. Et plus tu as de l'argent, plus ça finit. Je vais Donc, t'expliquer un on truc. l'a dit, Yes, je vais même en t'expliquer un deux ans, truc. elle le mange, Les Serge. Sénégalais, Oui. les Maliens, Non, Serge. si c'est Ivoirien, si on me dit Oui. Ivoirien a bouffé 5 milliards en une journée, il peut croire. Mais Sénégalais. Serge, quand tu vas dans le show, attends, quand tu vas dans un Serge. show, quand tu vas dans un show, deux fois, il y a des gars qui dépensent, Quand on qui parle de payer, là, vous avez déjà entendu payer au Attends, Sénégal? Pierre, attends. Serge. Mais je Elle viens n'a pas. être Serge, présenté c'est pas. des Serge. Ivoiriens. Attends, Yas, Serge, c'est pas au On Sénégal parlait qu'il de a quoi? Il croisé. n'a Hein. pas des millions, des milliards. Il parlait de Serge, quoi? Mais c'est quand pas au tu. Sénégal qu'il a Elle croisé. vivait à Londres. Elle Je pense que vivait. c'est pas de ça, sûrement qu'elle vivait. Elle Il y vivait. avait des maisons qu'elle encaissait. Elle pas fini ça. Les C'est maisons, elle les a fait Ah. après. Les maisons, elle les a Il fait dit. après. Il suffit que tu vas en Fred, boîte. Les photos qu'elle ça va en boîte, finit en ils 7 payent ans. dans les Attends, 5 000 euros dans les attends, je vais caisses. Ça t'expliquer. finit peut-être Attends. que si j'ai pas d'autres revenus. Mais avec J'ai 12 dit. maisons, 14 maisons. Ah, vous aussi. Bébé de Dieu, je vais Okay. On n'a peut pas Déjà, finir pour quoi? Ça bébé peut de pas finir. Dieu, Attends, c'est pas beaucoup, ah, hein? Peut pas bébé de finir. Dieu, bébé de Aïe. Dieu, bébé de Dieu. Déjà, quand tu as une entreprise avec un chiffre d'affaires même de 5 milliards et que tu as une mauvaise gestion, au bout de 2 ans, ton entreprise peut tomber. Et puis tu vas te retrouver avec des dettes. C'est le cas. Parce que elle a les finances, elle avait les maisons, etc. et tout, qui pouvaient faire rentrer de l'argent. Mais par la suite, comment elle a géré ça? Tu sais quoi? Tu peux avoir 5, 2 milliards, 3 milliards dans ton compte avec des biens et tout. Mais si tes dépenses sont plus que ce que cela te rapporte chaque fin du mois, au bout d'un certain temps, tu vas voir que tu es en train d'épuiser et que tu ne pourras pas t'en sortir. Ça, c'est un. Et la deuxième des choses, 14 c'est le mauvais. maisons La deuxième des dans choses, c'est des le mauvais immeubles de placement. 22 appartements. Attends, la deuxième Attends, des choses, c'est le moi, mauvais depuis à placement. quoi les a vendus, Tu sais quoi? c'est pour te Quand dire tu que fais c'est les moi. mauvais placements, quand tu fais les mauvais Non, placements, la dame là, il elle est faut être sûr que. intelligente, elle sait ce qu'elle a fait. Elle a peut-être dit à des gens, venez, et bien vos noms après. Ah, il laisse ça là. Oui, moi je soutiens ça, c'est pas possible. Elle peut pas finir ça. En fait, déjà, Pas elle, si possible. elle va. Attendez, c'est Oui, fréquenter le gars les là, Sénégalais Ginger. sont intelligents, hein. Elle vit Les à Sénégalais Londres. sont Attendez, très intelligents. déjà, elle vit à Londres. Parce qu'elle ne vit pas en Côte d'Ivoire, elle vivait à Londres. Donc le train de vie, il n'est pas pareil qu'en Côte d'Ivoire, c'est plus Dieu. cher. Bébé de D'accord. Dieu, si tu fais 15 voyages en business class, hein, dans Oui, l'année, ça va trouver. faut t'asseoir pour voir les 15 voyages, c'est-à-dire que tu veux Non, mais voyager on dit qu'elle est demain, venue tu prends s'installer ton en Côte billet. d'Ivoire depuis combien d'années, elle est là? On dit elle a Non, mais voyagé en désordre. la police, ça a dit ça? Elle Elle est venue s'installer quand elle depuis combien d'années? avait plus On dit rien. elle a donné, on dit elle a donné 5 millions à Edwige de Milan. Ouais, bien sûr. Madame. Ouais, bien sûr. Et les Sénégalais, comment ils connaissent là? Je vais vous dire, même si Mais c'est qu'elle a Sénégalais, grandi en Côte il d'Ivoire. dit, il faut C'est laisser le ça. pays qu'elle aime. Les gens qu'elle connaît, attends, Serge, les gens qu'elle connaît, qui viennent témoigner, c'est des gens de la. En fait, c'est les pays sur ces. Je sais pas comment dire, c'est les gens de la Il Nice. faut m'écouter, Yas. Non, Yas. Serge, je suis pas d'accord. Yas. Sénégalais, même si il parle pas d'Ivoirien, il dit Sénégalais, même s'il a grandi en Chine.
si ses parents, si ses parents sont nés au Sénégal, ils vont inculquer une certaine valeur à son enfant là. Est-ce que tu as déjà vu un Sénégalais qui comprend pas Wolof? Attends, Serge. Attends, il te pose une question. Oui. Il te pose une question. Tu as déjà vu un Sénégalais qui parle pas, un Sénégalais qui est né dans la, qui est né en France, qui ne parle pas Wolof? Tu as déjà vu ça? Jamais. Ok. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. Même si un Sénégalais, il grandit, même s'il grandit en Chine, ses parents vont l'apprendre ce qu'on appelle la valeur de la famille. C'est-à-dire qu'ils vont lui parler Wolof. Par exemple, moi, je suis baoulé, par exemple. Mm-hmm. Je suis né, mais j'ai grandi à Abidjan. Je ne parle pas un mot de baoulé. Tu sais pourquoi? Parce que mes parents n'ont jamais voulu que je parle vraiment le baoulé. Il y a beaucoup de gens ici là qui ne parlent pas leur ethnie. Mais les Sénégalais, ce qu'ils apprennent à leurs enfants, d'abord, c'est le Wolof. C'est la tradition, c'est le respect. Voilà pourquoi la plupart des gens sérieux en Europe, c'est les Sénégalais, c'est les travailleurs. Maintenant, je vais te dire, okay. 5 milliards dans la main d'un Sénégalais ne peut pas finir en 5 ans. C'est pas, c'est, à un moment donné, même si Gaspi, okay. là, ses parents vont lui dire, hey, voici terrain, il faut payer. Okay, même s'il ne paye pas là, ils vont aller prendre l'argent pour payer à sa place. Les Sénégalais, c'est des gens qui sont très réfléchis, qui savent où ils mettent leur argent. Et ça là, ils mettent la main dans le 5 francs de 2 milliards. On n'a pas dit un Congolais. On n'a pas dit une Congolaise plutôt. Non, mais attends, je vais répondre. Ils n'ont pas dit. Il faut pas oublier que Sénégalaise. Tu as déjà vu des PHS sénégalais. Mais je peux répondre. Ouais, mais c'est là que je vais répondre. Mais c'est là que je vais te répondre. Attends, c'est là que je vais te répondre. La fille, elle est sénégalaise, grandit en Côte d'Ivoire. Déjà, elle a la mentalité ivoirienne. Je ne pense même pas qu'elle a la mentalité sénégalaise. Elle a fréquenté en Côte d'Ivoire. Ses amis, elles sont ivoiriennes. Mais non, ça, je te dis, même si elle a grandi en Côte d'Ivoire. Même si elle a grandi. Oui, ok, d'accord. On reste sur le principe, même si elle a grandi en Côte d'Ivoire. Arrivée en Europe, on va dire, voilà, arrivée à Londres, je ne sais plus où elle était au début avec son mari, elle a fréquenté aussi des gens de la nuit. D'accord. Elle aime le show. C'est quelqu'un qui aime la nuit. Dans le monde du PA, là, il y a des Sénégalais, il y a des Burkinabés, il y a des Maliens. Pourtant, on va dire. Si ça, je te dis. Tu aimes la nuit, là. Le jour où ton mari meurt, là, son héritage, tu as tout mettre dans la nuit. Là. Jamais. Attendez, tu sais, au Sénégal, ils ont une soirée. Non, mais si après, ça dépend. S'il y a des Sénégalais, si on te dit, d'Amérique, que nous, on dit soirée, par exemple, je sais, par exemple, moi, je dis, on fait une soirée aujourd'hui, là. Ça va être très simple. Attends, tu vas comprendre. Si la soirée, là, c'est thé. Non, c'est même pas thé. Je te donne juste un exemple. Djouf, là. Comment ça s'appelle Djouf? Le joueur de foot Djouf. Il est Sénégalais, non? Qui ça? Le joueur de foot Djouf, il est Sénégalais, non? Djouf, il est Sénégalais, oui. Voilà, il a réussi à gérer sa fortune. Mais est-ce que l'argent de Diouf est fini? C'est pas fini, mais il a pas réussi à la gérer. Non, oui, mais c'est pas fini. Il a construit au Sénégal. Mais elle aussi, elle a construit au Sénégal. Ah, donc on est d'accord. Donc ça veut dire que l'argent n'est pas fini, oui, c'est qu'il a construit. Non, elle a fini. Oh, Serge, elle est. Quelqu'un, là, l'argent qui est pas fini. Diouf, là, il n'a plus l'argent comme avant. Donc ça, il chauffe ça même. Mais Diouf, il a plus l'argent, bah oui. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pas faux, hein. Serge, il a très, très coulé. Non. Arrête, Serge. Tu vas dans les. Oh là là, Serge. Il n'a pas coulé comme ça. Serge, je pense que ça fait longtemps que tu n'es pas allé au Sénégal. Il a énorme, pour un photo de son rang, il a énormément coulé. Je ne dis pas que son argent elle est fini, parce qu'il a investi quand même dans des petits trucs. Il a énormément coulé. Son argent, normalement, lui, il ne doit pas être au stade où il est. Il a grave coulé. Arrête, Serge. C'est son nom qu'il a toujours, mais il a grave coulé. Et pourtant, c'est un Sénégalais grandi au Sénégal. C'est pour te dire que l'argent, une fois que tu as l'argent, c'est plus pareil. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir l'argent, une fois qu'elle a l'argent, c'est plus pareil, Serge. Et surtout, si tu vas dans un monde bizarre, le monde de la nuit, c'est un monde qui est bizarre. C'est quoi on appelle couler même? C'est quoi on appelle couler? Quand on dit couler, c'est comme les Samasoko, là. Non, mais Samasoko, il n'a pas gagné l'argent. Samasoko, il a eu l'argent, Serge. Hein. Non, ça, c'est pas l'argent, ça. Maudit, aujourd'hui, tu as tagué Samasoko. Aujourd'hui, tu viens dire qu'il est couler. Quand on dit couler, là, je vais t'expliquer, Yas. C'est lui que tu as travaillé toute ta vie. Tu as travaillé toute ta vie, tu n'as même pas mis quelque chose à l'abri. C'est-à-dire que même si tu avais des milliards et que tes milliards sont finis, que tu as pu avoir deux maisons que tu as mis à l'abri, qui te rapportent à manger pendant tes vieux jours, on ne peut pas dire que tu es coulé. Peut-être que ton train de vie a diminué. Le cas de Diouf, là, il gagnait beaucoup d'argent quand il était footballeur, il s'amusait beaucoup. Attends, Serge, attends. Diouf, c'est pardon, le gars qui est clair, là. C'est lui qui est clair, là. Oui, elle a du Diouf, ouais, elle a du Diouf. Je l'ai croisé à l'African Lunch. Il draguait une copine à moi. Le mec, il est très coulé. Il est coulé. Je l'ai vu. Moi, je le connaissais pas. Franchement, je le connaissais pas. Il a commencé à me faire de l'œil. Mais lui, il aime les femmes claires. Comme moi, je suis noire. Après, il me faisait des clins d'œil. Et il a. Après, nous, on ne savait pas qui il était, en fait. Il y avait une petite grosse sénégalaise, noire façon. Mais elle était seule. Je te jure. J'ai 3 enfants, dont un enfant handicapé. Je te jure, Serge, il a dit à la fille, viens à ma table. Après, moi-même, il m'a dit, ouais,
venez à ma table, toi et ta copine. Je dis, mais t'es malade. Ma copine le connaissait, moi je le connaissais pas. Elle me dit, non, c'est un joueur sénégalais. Je dis, je m'en bats les couilles. Il va. African Lounge. Je sais pas si vous connaissez l'African Lounge. Sur les Champs-Élysées. Oui, si, on connaît. Il était là. Après, j'ai pas voulu venir. Ma pote, elle voulait partir. J'ai pas voulu y aller. Il s'est levé. C'est un footballeur clair, non? C'est lui, non? Un ancien footballeur? Un ancien footballeur, oui. Il est clair. Il est clair, oui. Merci. Il me dit, ah, t'es trop jolie. Ah, mais viens t'asseoir à ma table. Je dis, t'es malade ou quoi, frère? Et moi, je suis venu ici, j'ai payé ma table, j'ai payé à boire et tout. Donc, toi, tu vas me faire passer pour une clocharde. Il m'a dit non, c'est pas ça. Alors qu'il avait pris une petite Sénégalaise qui était là depuis, je sais pas quelle heure depuis elle était là. Il a fait venir à sa table. Après, j'ai vu qu'il faisait beaucoup de bails bizarre. Après, il me dit, moi, j'ai quand même venu à sa table. J'ai battu beaucoup de GM. Moi, ça fait 45 ans que je suis en France. African Lounge, j'y étais. Toi, tu connaissais même pas ici. Je l'ai mal insulté. Et la fille avec qui j'étais, c'était une chabine. Une antillaise. Mais tu l'as insulté pourquoi? Parce qu'il t'a dit viens. Non, parce que, en fait, tu sais, la manière dont il m'a parlé, c'est ah, vas-y, arrête de faire semblant, là, viens. Et moi, tu me parles pas comme ça. Déjà, je connaissais pas. Mais la chabine, ma pote, elle le connaissait. Elle me dit non, c'est un grand footballeur, viens, on y va. Il dit, mais déjà, à la base, quand on est venu là, est-ce qu'on savait qu'on allait croiser footballeur? Non. J'ai dit, je n'y vais pas. Le gars, il m'a fait un cirque. Wallah, il m'a fait un cirque. Il me dit, ouais, toi, tu te prends pour qui? Je dis, hey, tu sais quoi, va te faire enculer. Excuse-moi. Va te faire enculer ta mère et moi. Je te montre que moi, je suis une vraie. Il me dit, oui. Bah, de toutes les façons, quand tu parles, on sent que t'es Kaira. Je dis, ouais, je suis une vraie Kaira, moi. Moi, je suis pas une meuf à deux balles. Moi, tu m'achètes pas avec ton argent. Déjà même, je le connaissais même pas, en fait. Mais c'est ma copine qui le connaissait, donc elle me dit, non, Carole, calme-toi, c'est un joueur, footballeur. Je dis, moi. Mais peut-être que ta copine voulait dormir avec lui. Oui. Serge. Mais je ne peux pas la laisser partir parce que c'est la femme de mon frère. Donc, je ne peux pas la laisser partir. Après, on a discuté, enfin bref, ça, c'était juste une parenthèse. Mais lui, je ne l'ai pas loupé. Et je sais que, à cette heure-ci, même si je me monte devant lui, il va dire. Merci pour l'intervention. Voilà. Yass, je vais te dire un truc. Tu sais, dans la vie, là, c'est vrai que quand tes revenus sont. Elle a du ouf. Au moins, il jouait à Liverpool, il gagnait beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Il achetait des voitures, il avait un train de vie élevé. Mais quand on dit quelqu'un a coulé, là, c'est quelqu'un qui n'a pas pu réaliser même un entrée couché. Parce que même, tu sais que même investi sur tes enfants. Je te prends une motion. On va écouter quelque chose. Attends, pardon. Deux minutes, je finis. Même quand tu investis dans l'avenir de tes enfants, quand tu les mets dans des bonnes écoles et qu'ils réussissent dans la vie, on peut pas dire que tu as coulé. Parce que l'argent que tu as eu, là, tu as mis. Parce que nous, là, tant que tu n'achètes pas des voitures, des maisons, des trucs, ça veut dire que tu n'as pas réussi. Tu sais que même tes enfants dans des bonnes écoles, dans des écoles américaines, dans des écoles françaises, c'est investi dans l'avenir de tes enfants. C'est-à-dire que demain, là, ils peuvent construire ce que toi, tu n'as pas construit en 10 ans. Ça aussi, là, c'est une manière de réussir. Elle a du jouf que tu vois, là. C'est vrai, elle a gagné beaucoup d'argent. Mais c'est quelqu'un, quand même, tu as pu acheter 2 ou 3 maisons, tu n'as pas dit que tout l'argent qu'il a eu, tu n'as pas acheté. Tu ne mets pas les Samasoko. Samasoko, c'est qui? Non, mais Samasoko, c'était pour lui lancer une pique. Comme depuis, il me lance des piques, c'est pas ça. Non, mais après, oui, forcément, il a investi, il a acheté des maisons. Il ne peut plus avoir le train de vie qu'il avait avant parce qu'il a mal géré. Mais il n'est plus footballeur. C'est normal que son. Non, mais bien on le paye peut-être par semaine. On lui paye peut-être par semaine ou par mois. Son agent n'est plus. Oui, mais attends Serge, ça va être. Il y a quand même des petits. Il y a ses petits frères qui sont après lui, qui sont bien derrière lui, mais qui gèrent bien leur fortune, très bien d'ailleurs. Oui, mais ça veut pas dire que elle a du douf à la rue. Ça veut pas dire qu'il n'a pas des enfants. Il n'a pas entendu. Vino dit 40 millions par semaine. N'a pas entendu. Qui a dit ça? Même Vino aussi a dit qu'elle avait 10 terrains vierges. Vino dit 40 millions par semaine. Qui payait 40 millions par semaine? Moi, je ne connais pas vos histoires de ballon, en tout cas, je ne connais pas, mais il a dit... On payait qui? On payait qui? On payait Chance. Tioté. 40 millions, oui, c'est possible. Il a joué quand même à Newcastle, il a joué à Galatasaray, et puis il est parti jouer en Chine, c'est possible.
Moi, je ne sais pas. En tout cas, il a dit le nom du pays, mais moi, comme je... En Angleterre, on te paye, quand tu es footballeur, je crois, on te paye par semaine. Je crois, il a dit non, que c'est le petit là qui voulait le faire, que il allait pouvoir gaspiller son argent. Il faisait n'importe quoi, il partait en boîte, il s'amusait, il faisait la vie de loup-gars, quoi. Donc, c'est l'autre qui lui a donné le conseil, notre capitaine, notre ancien capitaine, qui lui a donné des conseils pour lui dire qu'il arrête tout ça s'il veut vraiment qu'il mette son argent dans l'immobilier. Mais attends, quelqu'un qui a acheté 14 maisons, il est intelligent? Non, mais c'est après les conseils du gars, au fait. Il y a des footballeurs, mais qui arrivent. Est-ce que vous pensez que il y a des footballeurs ici, là, il n'y a pas envie de dire des noms? Ceux qui ont investi dans les trucs de musique, là, vous pensez qu'ils ont 10 ils ont maisons? C'est ce qu'il voulait dire. Il y a une seule maison, mais qu'est-ce que c'est ça? Non, mais lui, malheureusement, il avait bien investi. C'est à 20 maisons, il n'a pas dit ça, il a 20. Ouais, mais... investi dans la musique. Bon, Yas, vas-y, on dit de te laisser parler, vas-y. À cause de vous, j'ai perdu le fichier, parce que je disais... Oui, je disais, en fait, le train de vie d'un footballeur, le train de vie, déjà, ils ont un train de vie trop, trop luxueux. Le gars, tu peux aller en boîte avec lui, il va dépenser 5 à 10 000 euros dans la boîte, il s'en tape, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Mais si tu gères pas, parce que, par exemple, moi, je parle par rapport à Mada, parce qu'après, elle aussi, elle allait en boîte avec son... Enfin, je sais pas, on va dire son ami, parce que son amant, c'est trop dire. C'est des rumeurs, on n'a aucune preuve. Elle allait en boîte avec son ami. Donc, imagine, tu claques par soirée, tu vas chez Dior, chez Chanel, Hermès. Mais Serge, ça part trop vite. Mais ça part énormément, ça va trop vite, Serge. Elle a vraiment dilapidé l'argent. Parce que si elle n'avait pas dilapidé l'argent, à quoi elle va gagner à aller en location? Elle va aller dans une maison à elle? Elle est en location? Ben, d'après les dires de... ben, des blogueurs. Mais Mel, oubliez les puces, là. Elle peut aller en location. Vous parlez quoi, mais oubliez les puces. Mais elle peut aller en location. Tu sais qu'elle peut tout vendre et puis aller investir au Sénégal? Aïe! Ça, c'est clair. Mais Vanessa m'a dit, Vanessa a dit qu'elle a construit une maison pas possible pour son papa au Sénégal. Mais maintenant, si quelqu'un... Que son papa vivait aux États-Unis et puis qu'elle a fini de construire la maison, elle a fait rentrer son papa. Mais ça, c'était du vivant de son mari, non? Bon, là, je sais pas. Non, c'est après la mort, elle a dit ça. Après la mort. D'accord. Déjà, il y a ça qui est sorti de l'argent. Maintenant, si quelqu'un qui n'est pas serré, qui n'est pas assoiffé d'argent, eux, c'est galère sur elle, c'est chaud, 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 tu ne vas pas t'amuser à vendre les biens de ton mari soldés. Mais tu sais que déjà, elle est sénégalaise. Je vais te dire un truc. Hein. Mmh. Elle est sénégalaise. Elle s'est dit qu'elle n'est pas dans son pays. Que tôt ou tard, tout peut se renfermer sur elle. C'est la possibilité de tout vendre et puis partir investir sur ta argent en Côte d'Ivoire, au Sénégal. On dit toute sa famille est rentrée. Maintenant on dit qu'elle a 3 mois d'éloigner pays. Bon, ça c'est vraiment, si c'est vrai, c'est que vraiment c'est grave son cas, parce que tu peux pas dépenser 7 milliards. Mais elle a pas, tu vois, la partie demandant à être servante chez le collègue de son mari. La partie, voilà la partie. Est-ce que tout ça c'est vrai? Ben, après, tu vas... Oui, il y a Hein? Moi, petit Yas, j'aime bien ton train de vie. Est-ce qu'elle peut devenir servante chez toi? Non, c'est pas ça. Apoutou dit l'appeler son petit en question. Dans les dits d'Apoutou, là, c'est Dieu qui a parlé, quoi. Non, parce que, non, attendez, c'est pas Apoutou qui a parlé. C'est un joueur qui a parlé de ça. On a dit son nom. Et le joueur en question, Apoutou l'a appelé pour confirmer, il a confirmé. Exactement. Donc, ils vont pas s'amuser à mentir sur le joueur qui est pas mort. Le joueur, il est encore en vie. Donc, dit son nom, tout ça. Exactement. Ah oui. Donc, Madala, il ne faut pas dire à quelqu'un. Est-ce que Madala, quel était le chèque utile? C'était quelqu'un qui dépensait beaucoup d'argent. Mais c'est ça qu'il faut se poser la question, ça, on ne sait pas. Parce qu'apparemment. Edwige Milan nous dit, c'est Edwige Milan qui l'a connu, qui a reçu 5 millions de sa part. Parce qu'apparemment, lui, de son vivant, déjà, il aimait les voitures, les belles voitures, enfin, les grosses voitures et les montres de luxe, déjà, de base, de son vivant. Donc, je pense que forcément, elle aussi, elle avait un train de vie luxueux, que tu veux ou pas. Une fois que tu as de l'argent, ben tu vas aimer le luxe. Parce que ça fait partie de ton train de vie. Pas forcément la femme de Drogba, on la connaît pas comme elle aime femme. Le luxe, c'est parce que tu vois pas la marque, parce qu'elle met pas des... Non, mais marques. Je parle de la première dame, la première femme, sa première femme. Je parle de Lala. Ben, je te parle de Lala. Lala, elle aime le luxe, elle met de la marque, c'est juste parce qu'il n'y a pas écrit Louis Vuitton en gros sur elle, ou il n'y a pas écrit Dior en gros sur elle, mais elle s'habite très très luxueux. Lala, c'est pas une pauvre, hein. Elle vient pas d'une famille pauvre, Lala. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Elle n'est pas d'une famille pauvre. C'est pas une arriviste, hein? LOL. Non, mais ses parents, l'argent. Ah, mais, oui, oui. Non, mais attends, vous parlez comme si madame, elle est cool. Est-ce que c'est quelqu'un a déjà chanté son nom? Mais est-ce que tu as besoin de chanter? On ne chante pas le nom de tous les joueurs, toutes les femmes de footeux?
Même madame, on l'a connue quand. On l'a connue quand on est invité payasseuse dans son émission là. Ou bien. Quand t'es payasseuse là, forcé, tu vas passer au 40-40. Tu vas passer à la maison. Mais sérieusement, ils vont pas dans les boîtes comme ça. Arrête. Ils vont pas dans les boîtes comme ça. Déjà, quand ils vont sur les boîtes, ils vont au Monarch. En fait, ils vont. Enfin, bon, je te dis les boîtes qui sont sur le champ. On va dire, voilà. Ils vont pas aller dans. Par exemple, ils vont pas aller au Blue Note. Ils vont pas aller au privat. Tu vois, les petits maquis bizarres là, ils vont pas aller là-bas. Ils vont aller sur, dans les boîtes, sur les champs. Ils vont pas aller dans les petits. Arrête, Serge, arrête. Quand tu vas dans les soirées pour trouver. Même le 27 septembre, je suis à Paris. Donc, voilà. Ben voilà, si t'as de l'argent. On s'est capté, on va voir. On s'en va sur les champs. On s'en va sur les champs. Si tu veux trouver des fouteux, des gens qui sont, ben, qui sont blindés, tu vas pas aller au Blue Note, tu vas pas aller au privat. Forcément, tu vas aller dans les boîtes sur les champs. Est-ce qu'on vend grosse bière là-bas? On vend pas de la, bière, c'est les magnums. Ah. Désolé. Et c'est combien la bouteille? Moi, j'ai jamais payé une bouteille, mais tu peux avoir des magnums à 1000 euros. 200 euros. Bah oui, ça monte vite. T'es trop drôle, toi. Magnum, 1000 euros. Pas que tu as ronflé ici avec moi, enregistré. Non, je dors pas. Non, bah oui, ça. Regarde les prix sur le truc. Il y a des soirées, même tu vas, tu peux même pas rentrer. Genre, c'est privatisé. Je regarde pas, c'est bon. Ben voilà, on n'a pas le même train de vie que eux. On n'a pas du tout. Tu as vu déjà une bouteille à 1000 euros. Ben voilà, hein? Qu'est-ce que toi tu vas foutre là-bas? Non! Donc, il n'y en a pas la même vie. C'est pour ça que j'ai dit, ils peuvent claquer 5 000 euros. Si on peut pas me vendre la formule à 10 euros, c'est pas la peine. Et ben va à Abidjan Paris. Tu rigoles, mais c'est mon meilleur restaurant que je suis à Paris, à Abidjan Paris. Ça coûte combien? Je traverse tout Paris pour aller manger là-bas. Non, c'est bon là-bas, c'est vrai que c'est bon. Anne-Sucène ou quoi là? Voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est bon. Mais c'est pour te dire, tu vois, par exemple, il y a des genres de filles, elles vont que dans ces soirées-là pour tomber sur des gars comme ça. Même s'ils vont les prendre une soirée ou un truc comme ça. Mais c'est un délire, c'est un monde. Oui, ma veille, il y a des mentis à formule d'espé. Mais non, mais toi, t'es un garçon. Enfin, toi, t'es un garçon, c'est toi, tu vois, c'est pour faire la mala, c'est pour faire le PA. Ah, mais oui, les filles. Moi, il fait pas PA. Hein. Il a déjà vu. PA de Baoulé. Moi-même, on va venir les réaliser dans notre village, on va faire PA. On va faire PA. Le 27, si tu viens, on va faire PA, forcément. Obligé. Si y a formule 10 euros, c'est bon. Non, mais c'est bon, on va aller soit au privat, soit au Blue Note. Là-bas, ça va, c'est pas cher. Avec 2000 euros, ça va. Avec quoi? Bah oui. Mais t'as plusieurs bouteilles. C'est comme les histoires de ciment et PP pour continuer pour faire. Il dit, il faut rentrer ce jour-là, accepte d'être au Péro. Tu yas. Il a dit, ça paye brique. Ça paye. T'as dit combien de 1000 euros? Yes. Il y a. T'as dit combien? 5 crinards. Il y a 5 crinards. Présentement, la tonne à 100 000. Donc, faut convertir, tu vas voir. Ça paye quoi? C'est-à-dire que 5 bouteilles, c'est moi qui paye les maisons d'observateurs et ben en même temps. Non. Tu vois? On vit qu'une fois, Serge. On vit qu'une fois. On vit qu'une fois quand t'as fini de réaliser. Yes. Sinon, là-bas, tant que tu n'as pas fait maison pour tes parents, toi-même, là, faut pas. Tu vas même pas faire maison. On vit qu'une fois quand tu as fini de réaliser. Bien même, tu as assise là. Tu fais quoi encore avec ton argent? Moi, j'ai de l'argent, j'ai fini de réaliser. J'ai au moins 3 immeubles. Oh, mon frère, ma soeur, je m'amuse comme je veux. Ouais, non, c'est clair. Immeuble, ça va être compliqué. Par contre, tu n'avais pas encore un terrain. C'est toi qui fais payer. Tu sais pas d'où tu viens. Ouais, c'est quoi le sujet? C'est quoi le débat ici? Il n'y a plus de débat, on s'est endormi. Il n'y a plus de débat. Non, mais sérieusement, ça part vite. L'argent, ça part très, très vite, Serge. Ben, toi-même, Serge, tu vois, quand ta paye rentre, toi-même, tu vois, tu sais pas où ça part. Je sais où ça rentre. Moi, il ne dépense pas comme ça. Oublie que c'est le plus grand affaire de la Terre planétaire. Moi, il calcule. Et à Serge, on va partir au Château Rouge. Il va aller dans un Château Rouge. La dernière fois, il y a un way qui m'a demandé 150 euros. Il dit quoi? Tu es malade en même temps. Serge, t'abuses. Non, moi, quand il me demande 50 euros, je n'ai pas lu en même temps. La dernière fois, je suis monté sur le lèvre de la coach. J'ai lancé, puis j'ai oublié même d'enregistrer. J'ai dit, mais coach, je suis pas bien là. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, quand je gère, ouais, puis on me demande 50 euros. Et puis j'ai dit, je commence à avoir mal à la tête, je sais pas pourquoi. Elle me dit, mais c'est que t'es un frappé dans le cou. En plus, ce jour-là, elle avait beaucoup de demandes. Dès que j'ai lancé ma demande, elle m'a pris.
Bah, elle te connaît, je pense. Je sais pas, mais elle m'a appris en même temps. Elle me dit, toi, tu es frappé dans le cochon. Je suis, elle dit, vous, les Yougoslaves, mais c'est pas ce qu'il a fait de vous. Non, mais Serge, tu dois te dépenser sur la femme, hein. C'est très important. Hein. Moi-même. Ah, tu me connais pas. Hein. Faut pas chercher ton âge. Faut m'attendre. Entre les perruques, les ongles. Mais qui ça, moi? Bah oui. Tant que toi, tu me connais pas. C'est que toi, t'es chute. Ça, ça reste la même chose. Ça reste la même chose comme pour Dexia. Moi-même. Et perruques. J'aime les gourmets qui n'ont pas cheveux. Les ah ouais? J'aime les femmes chauves. Ah, il y a 4-10 ans, aujourd'hui, allez jouer là. Ils aiment les filles qui mettent faux cils 300 mètres là. Faux ongles 500 mètres. Bling bling. Ils aiment les filles. Nos soeurs du village là, mon cher, elle va t'apprendre comment économiser, comment garder tes deux WC pour que ça fasse 50. Elle va t'apprendre ça. Moi, je te dis, si tu es avec moi, si tu es avec moi seulement pour dire payer perruque, payer venir, pour dire payer ce que toi, tu es foutu. Moi, même si ah, bon, c'est sûr. Tu sais, il y a des femmes qui changent l'homme. Hein. Non, comment pourquoi le biscuit le plus aimé de la France? Bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir. Bonjour la France. Bonsoir, Tam Tam, ça va? Bonsoir, Tam Tam. Bonjour. Hein. Ouais, ici, c'est 4h du matin, on dit bonjour. 4h00 chez vous. Ah oui, hein. Bonjour. Moi-même, je ne me rendais pas compte que je suis montée. Des vilaines go comme Tam Tam, comme ça, elles vont venir me demander l'argent. Toi, t'es vilain comme toi. Toi, t'es comme un fou, là. On dirait forme bulaise, là. Aïe, moi, pardonné. Il a donné perruque à Tam Tam. Voilà. Voilà, ça commence bien déjà. Ouais, ouais, c'est en tout cas, moi, je suis vilaine. Hein. Même, tu vas venir en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est 1 000, tu fais ton show, tu rentres, tu es saoulé, tu dors. Et dis, c'est 1 000, mais c'est beaucoup. Oui, mais 5 000. Ah, ici, le show, c'est cher. Pour moi, tu prends une fille de Yoko, bon, là-bas, tu payes ton lavatif, 1 000 francs. C'est la pharmacie. Et dis, je vous explique un truc. En 2019, quand c'est parti là, j'ai un contact ici qui m'avait branché en Oué là-bas. Donc, le Oué même. Quelqu'un a appelé le Oué même, ça me disait. C'est quelqu'un que je connais à Paris qui m'a branché sur le Oué. Donc, à chaque fois qu'il a appelé le Oué, elle voulait venir et puis après, il dit non, laisse, j'ai un programme à faire, il y a un truc à faire. Et puis, il a dit, bon, il est à la Riviera et il a dit au Oué de venir. Le Oué dit non, okay, elle ne vient pas derrière l'eau. Il dit derrière l'eau comment? Elle ne vient pas derrière les gens qui sont à la Riviera. Il dit ok, il dit mais tu es où? Elle dit là, Yopougon, l'hôtel Kimi, là, je ne sais pas si vous connaissez, l'hôtel Kimi. Moi, je connais. Kimi, il y a un coin là, il y a un coin qui s'appelle aux animaux, ou je sais pas quoi, là, aux petits animaux, je sais pas quoi là. Ça, c'est Niangon, ça? Non, c'est Maroc, voilà, Maroc. Voilà, merci. Mmh. Il y a un coin là-bas, c'est comme une doterie, je sais pas quoi là. Donc, je suis parti là-bas, je suis parti m'asseoir. La goula, quand c'est arrivé, il a vu, il m'a dit, Seigneur, je me suis mis dans quoi là? elle était pas jolie mais elle va venir en tout pantin. Elle était trop en tas, même badak elle comme va bien ça. En pantin, ah ouais, non je sais pas, je sais même plus comment elle est habillée maintenant je en plus ce qui m'a énervé, c'est que j'étais devant l'hôtel Kimi et l'hôtel Kimi là de, bah, elle m'expliquait mais j'arrivais pas à savoir parce que le taxi m'avait laissé à l'hôtel Kimi, donc j'arrivais pas à savoir là où elle était. Or, hôtel Kimi là, je pouvais marcher pour aller au restaurant aux animaux là, aux petits aux animaux, je sais pas c'est quoi, c'est un coin baoulé là. Donc elle arrive, elle prend un taxi, elle vient me chercher et le même taxi nous ramène là-bas. J'ai payé 2 000. C'est-à-dire qu'il pouvait marcher. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment t'expliquer. À une minute même en voiture. Il dit, mais pourquoi tu viens en voiture? Il vient me chercher à pied. Elle me dit, ouais, t'es un mec, je ne suis pas trop, tu fais marcher. Je lui dis, ok. On est assis. On envoie tout pour manger. Lago demande hérisson. Elle demande quoi? Hérisson. Sauter d'hérisson. Il dit, il redit la fleur jusqu'à. Il dit, mais comment moi, il peut aller marcher une go qui mange hérisson? Ça, c'est quoi ça? Aïe! Mais c'est dans un coin où vous êtes parti, non? Maintenant. Tu vas parler d'un coin où on voit Hérisson, tu vas aller au restaurant avec elle. Dans un restaurant, elle va te commander pizza. Maintenant, Hérisson est fini. Elle demande s'il y a tortue. Non, je rigole. Elle a demandé pentade sous. Lapin ou pentade entier. Entier même. Il te dit en arrivée, la fille a mangé ça là. Vous deux, non? Non, moi j'ai déjà mangé, tu vois, il vient me jouer un peu les chocos bengis sous ça. Non, il dit non. J'ai déjà mangé. Son argent, il a commandé. La goule a mangé tout ça, là, tout les repas, elle a mangé. Elle était grosse. Elle était grosse ou pas? Elle était grosse. Elle était grosse, ouais, elle était grosse.
Observatrice, ou bien c'est observatrice. Oui. Yézi, les femmes même qui mangent, ce sont celles qui sont minces. Faut les laisser tomber. Ça mange beaucoup. Hein. Mais déjà, même, faut déjà, laisser déjà, tomber les femmes minces. Oh. Déjà même, Go qui demande hérisson. Tu as parti à quel avenir une Go comme ça, hérisson. Une Go qui mange hérisson, ça c'est quoi ça? Yézi, c'est le coup de tapot. Comme tu sois avec une petite, tu prends quoi? Elle est grosse, bien. Ça c'est quoi ça? Jamais. Bah, mais si c'est ce qu'elle boit, elle ne va pas changer pour autre chose. Hein. Non, je suis désolée. Parce qu'il y a des gens, là, la fait un genre. Il y a des personnes là, fait un genre. C'est la grosse bière. Le gars va te demander, tu bois quoi? Tu dis, moi, je bois Drogba. Yeah! Maintenant, c'est pas fini. Ce jour-là, quand on a fini de manger, là, elle a dit qu'on part dans un bar climatisé à Yopougon, là-bas, nous, au Maroc, là-bas. Maintenant, ce jour-là, là, je crois que c'est la Côte d'Ivoire qui jouait. Et on était dans le bar, là. On a commencé à boire, tout ça là. Maintenant, la serveuse, elle me regarde. La serveuse, bon, mais il sentait qu'elle me regardait même. Maintenant, le mousseau là, elle voulait partir. Parce que moi, après, tu sais que le mousseau ne t'intéresse pas trop. Tu vois, elle sentait ça. Donc, elle dit maintenant que moi, si on doit se séparer là, moi, de sortir dans le bal, elle prend mon taxi devant elle. Moi, il est parti. Et elle va partir. Elle a senti quelque chose. Elle dit, moi, je vais finir mon match là. Il faut partir. Je suis là. J'ai appelé un gars qui va me rejoindre là. Donc, Moussou, même jour qu'il est connu, il y a deux gars, elle m'a demandé combien oui. Non, les gars, ne sont pas intelligentes. Hein. Elle m'a demandé Togo pour son transport. Togo, ça veut dire quoi? 100 000. Mm-hmm. Il dit, mais tu habites où? Il dit, dans Yopougon, là. Moi, j'ai pensé à 100 fois. Moi, dans Yopougon, là, moi, 4 mètres. Elle me dit, non, parce que, en fait, si tu veux, c'est sa vieille mère. Sa bonne vieille mère, c'est que la vieille mère lui a dit, c'est un bengui, c'est des chocs qu'elle arrive, tu vois. Puis moi, c'est que ça arrive, Joe. Il veut jouer un peu les chocos, tout ça. Donc, elle m'a pris un. Elle ne sait pas que moi, je venais d'un tchat. Elle est un bengui blessé. Elle ne sait pas si elle était tombée. elle sait pas que c'est pas comme il y a pour venir à Yopougon là-bas. Ah, il y a 150 euros. Hein? Ça fait quand même 150 euros. 100 000, ça fait plus de 50 euros. 150 euros. Donc, mais attends, excuse-moi, pourquoi elle t'a demandé 150 euros? C'est pourquoi? Non, c'est parce que. C'est son nouveau gars. C'est son nouveau gars. Elle me dit de donner ça, et puis la prochaine fois, elle va venir à la Riviera là-bas. On va bien se gérer. Il dit, bon, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Moi, j'ai fini le match là. Voici 5 000, prends ton taxi. Et puis quand il arrive là-bas, il t'appelle, et puis il vient prendre ton jeton. Elle m'a dit non, que vous les bénis, vous êtes des menteurs, quand tu vas partir, tu vas m'oublier, tout ça. Elle dit non, écoute, moi, je suis dans la personne qui m'a mis en contact avec toi, là. La personne qui m'a mis en contact, je la respecte beaucoup. Si tu veux, je vais l'appeler, là. Et puis, je vais confirmer devant toi. Donc, j'ai appelé même la personne qui m'a mis en contact. Elle dit ouais, effectivement, j'ai un cadeau à lui donner, mais il faut qu'elle vienne à la Riviera. Donc, là, elle est partie. Elle a donné 5 000 après son taxi. Maintenant, moi, c'est assis là-bas. Moi, il sait pourquoi c'est assis aussi. Parce que la petite aussi qui me regardait, c'était pas. Elle était plus haut par rapport à moi. Il a fini le match. Moi, ça n'a pas appelé. Oh, j'ai géré mon mouvement. Puis, je suis parti. Que la fille, la façon, elle m'a appelé. J'ai jamais vu quelqu'un qui appelle les gens comme ça. attends, dis-moi. Elle t'a menacé. Elle m'a appelé. Il dit le matin, il m'a appelé. Mon téléphone sonne. Le soir, mon téléphone sonne à midi. À quoi il dit, même si c'est vrai, lui, il n'a pas donné. Mais elle, quel problème? Tu ne l'as pas fait. Il t'a dit, il faut laisser. Il dit, toi. Mais comment t'as fait pour la. Et il l'a fait. Il n'a pas fait. Comment t'as fait pour la bâcher, en fait? Je t'aime ça. Il a dit, il a fait. Non, il n'y a rien fait. Parce que, mais... Il y a quelqu'un qui te dit qu'il faisait tout pour qu'elle parte à la maison. Il a fait. Il faut laisser Johanna. Elle croit que la vise. Elle croit que moi, il mange mon cerveau. Non, moi, je crois pas qu'il a fait. Il a appelé pourquoi? Il lui a promis quelque chose. Tu m'as dit qu'il a fait. Après, il a dit non, je n'ai pas encore échangé mon billet. Non, Johanna, calme-toi. Le web même, c'était pas. Comment t'as réussi à te débarrasser d'elle? Mais il lui a dit, prends ça, j'ai fini. Parce que la Côte d'Ivoire jouait contre le Mali, je crois. J'ai dit, je vais terminer le match. Quand j'ai terminé le match, quand je rentre, je t'appelle. Le lendemain, tu viens. Quand on va se voir à la Riviera, il va te décaler ton jeton, il n'y a pas de problème. Fais-moi confiance. Donc, j'ai appelé même la personne qui m'a mis en contact là pour confirmer qu'effectivement, elle doit me trouver. En fait, j'ai dit à la personne que j'étais en bonne compagnie, tout. Je veux même qu'elle vienne à la Riviera, tout ça là, que je vais lui donner le budget, tout ça là.
Elle avait une confiance chez moi, elle avait fait à manger. Voilà. Durant mon séjour. Et puis j'ai dit non, je suis là pour un mois. J'ai encore un séjour de un mois et demi. Donc tu viens, tu vas même préparer tout ça là. Tu vois, elle est venue en confiance. Elle m'a dit. Au début, elle m'a dit non, que, je sais que quand tu vas partir, tu vas m'oublier, tu es le Bengis. Elle dit je ne suis pas comme les autres. Je suis avec un chorobi raffiné aussi pour mettre dessus. En ce moment même, tout, parfait, là, tout mon parfait là-même, j'ai pompé ça sur moi. Elle dit que. Est-ce que tu l'aimais bien, la fille? Tu l'aimais? Non, non, même pas. Grâce à ça, c'est le panel. Tu m'as écrit en commentaire, tu ne l'aimes pas. Même pas du tout, même. C'est-à-dire, il voulait juste me débarrasser. Il voulait juste me débarrasser du truc parce qu'il avait déjà vu. Donc, elle t'a servi pendant les jeux, tout ça. Après, comment t'as fait pour la lourder? Non, mais il est même pas. Il a vu qu'une fois. Il a vu une seule fois, qui dit. Oui. Elle n'a pas écouté l'histoire, je pense. Alors, je m'entends. En fait, il a vu qu'une fois. Et ensuite, il n'y a pas, remis l'argent qu'il devait lui donner. Donc, c'est ça qu'elle l'a appelé à la fête, qu'il devait lui donner après. Ça, il faut changer, il faut du bon père d'indépendance à la Côte d'Ivoire. Change le titre, tu as mis là. Ah oui, c'est passé. Oui, c'est moi, ça, on en a fait aujourd'hui. Et même si je l'ai fait à ma camarade, surtout qu'elle a fait l'indépendance du Côte d'Ivoire. Je suis passé. Makoso. Yes. Lis le commentaire. Bonne fête à vous, les Ivoiriens. Merci, merci, merci. Bonne fête à tout le monde. Hein. Même si c'est un peu amer et tout, avec tout ce qui se passe. Mais bon. C'est amer, je l'ai fait. Je vois, moi, je suis pas Ivoirien, donc je vous souhaite une bonne fête. Bonne fête à l'indépendance. Quand tu commences comme ça, Joana. Joana, tu parles de qui là? Parce que je ne comprends pas bien. Là. Bon, elle nous a fait dans sa camarade. Tous, le travail démarre 14h. Serge, le 7 août. Il y a quoi le 7 août? Tu as fait de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Tu lui as dit que tu ne veux plus d'elle. C'est ça qui m'intéresse. Mais attends, il m'a expliqué. Il a expliqué, non, mais tu n'as pas compris. C'est déjà expliqué. Il lui a dit que. Bonne nuit. Merci Inès. Il lui a dit, va, demain on se croise. Tu vas venir même connaître chez moi, tu seras ma chérie durant mon séjour en Côte d'Ivoire. On va vivre une vie de couple, quoi. Tranquille. Mmh. Bon, c'est comme ça qu'elle est partie à la maison, puisqu'il l'a mis en confiance. C'est comme ça qu'ils se sont laissés au calme. Vous avez compris maintenant? Mais la fille est venue quand même à la maison. Non. Elle n'est pas venue. Il dit elle n'est pas venue. Je me suis déplacé pour aller dans son quartier. Enfin, à Yopougon. Ouais. Major, va dormir, toi. Il n'y a pas de Non, on ne veut pas dormir. En fait, même la vérité, hein, c'est parce que, en vrai, c'est de la vérité. Vrai, vrai, même là. Vrai, en Côte d'Ivoire, non. Les trucs sont trop faciles. C'est trop facile. Mais tu l'as vu. Je sens que quand tu parles, tu l'aimais bien au début. Tu l'aimais non, bien. Non, non. Tu n'as rien compris, toi, au fait. Tu dis ça, mais je pense que tu n'as pas suivi. Je t'ai dit non et non. Parce que si quelque chose te plaît, tu vas pas laisser partir. Voilà. Donc voilà, j'ai dit non et non. C'était pas. À un moment donné, pour que tu cannes avec une meuf, il faut avoir un minimum de sentiments. Bah, toi, tu n'as rien compris en fait. Il n'y a rien entre eux deux. Moi, genre, tu ne m'as jamais vu. Il n'y a rien entre eux deux. Mais tu l'as ken ou tu ne l'as pas ken? Tu l'as pas ken? Non, il n'y a rien entre eux deux. Il ne s'est rien passé. Comme disait. Pardon, moi, je vais répondre à Major. Moi, je suis vilaine, comme disait Serge. Il faut même pas me voir en caméra. Ah, moi, je suis plus vilaine que Viviane, même. Aïe, on peut faire ça. Tu as vu l'intervention de Mamadou chez... Il a préparé son défilé de demain. Mamadou, il a été très, très professionnel. Franchement. Il y a des gars, il est monté. Je n'ai pas entendu. Il a mis dans les commentaires, ça ne m'a même pas plu. On peut le laisser. Oui. Mamadou, à quel âge? Mamadou, pas du tout. Pourquoi? Qui est l'âge de Mamadou ici? Pourquoi t'es intéressé par lui? Non. Jamais moi, je suis célibataire. En tout cas, il est sympa, hein. Il est en couple, hein. Il a pas dit il est célibataire. M'en fous, moi. Il a dit avant de chercher le palais de Serge ici, c'est hier qu'il est en couple. Avec chance. Il est en couple. Ça m'intéresse pas. Avec qui Nora là? Attends, Nora là. Nora là, est-ce que c'est Axel? C'est pas Nora de Axel Méry là, de Kimi là? Non, c'est Nora de chance, non? Non, il y a une Nora qui aimait beaucoup, elle venait sur mon live comme ça, elle parlait beaucoup d'Axel Méry, de Kimi, comme ça elle aimait beaucoup Kimi. Elle s'appelle Akissi. Oui, mais Nora, elle vit où Nora elle vit en Côte d'Ivoire aussi.
Elle a dit aussi. Moi, je suis benguiste. Moi, si je lui propose de nationalité française. Ah, attends, t'as pas pensé. Si t'as pas marié. Ah, je le prends même Mamadou à dormir sous mes ailes s'il veut. Je veux pas de mari, quoi. Et je veux, j'ai dit, attends. Mais je veux pas. Donc, si j'ai compris, l'observatrice et Tam Tam, c'est Mamadou, vous voulez, c'est ça? Non, hein. Pardon. Ils ont dit les célibataires. Nous, on nous a dit les célibataires, en tout cas. Moi, en tout cas, je suis célibataire. Maintenant, si je trouve un homme, tant mieux. Si je trouve pas, je moi, je suis pas célibataire. Quel genre d'homme? C'est Dieu qui donne. C'est mon mari. Voilà. Ben, il y a Mamadou, il est là, il est célibataire. Eh, mais j'aime mon mari, pardonnez. Il y a Mamadou, bon, après, il y a Nora. C'est pas ce que tu as dit, tu veux, Mamadou. C'est pas ce que tu dis, tu es marié. Si je le veux, Mamadou, je le prends. Mais bon, tu as la parole, toi, de démuter, tu as la parole. Discussion là. On a passé nos oreilles, toi, tu montes. Mais il y a Fred aussi qui est là. Ok, je vais parler. Ah non, c'est bonsoir tout le monde. Vous voulez que je parle? Bonsoir. Vas-y, parle. Hi. Non, c'est les 30 cas que j'ai vus ici. C'est sur ça que je voulais rebondir. Je voulais juste dire à Cherche que le panel était rempli. Il y avait beaucoup de blogueurs là-bas qui ont tiré leur personne aussi. Donc, ce n'est pas la force de Makoso seulement qui a fait les 30 cas. Hein. Mm-hmm. Voilà, parce qu'il y avait Aya Robert, il y avait Aya Yaka. C'est des grosses têtes. Il y avait Croyant. Voilà, okay. Je vais te poser une question. Pourquoi quand ils font le live chez Yaka, où ils font le live chez Aya, où ils sont tous là-bas, là. Pourquoi ils font pas? Non, silence, pardon. Laissez entre lui, il me pose la question, on y va. Avant de faire le live chez Makoso, là, ils avaient fait le live chez Aya Robert, au début. Pourquoi ils n'ont pas pulvérisé, ils n'ont pas monté à 30 000 personnes, et c'est sur le live de Makoso qui monte à 30 000. Pourquoi? Merci. Merci beaucoup. Croyant, vous. Les bons, voilà, c'est comme ça ici. Il faut laisser. Okay, non, je vais répondre parce que c'est moi qui ai soulevé le cas, quoi. You know? Donc, qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi aujourd'hui, c'est que tout le monde attendait aujourd'hui sur Makoso? Normalement, la famille même devrait être là, physiquement, sur Makoso. C'est pour cela, c'est le drainage de tout ce monde-là chez lui. Est-ce que tu comprends? C'est pas parce que Makoso donnait quelque chose de nouveau. Non, rien n'a été nouveau là-bas aujourd'hui. Rien du tout. Il n'y avait rien même pas. Rien du tout de nouveau. Mais de fait, on a tous entendu tout ce parce qu'ils sont répartis. Tornade, attends. Parce qu'ils étaient répartis les tâches. Aya a été la première à frapper. Donc, elle s'est retrouvée avec 4 000 et quelques. Après, Yaka est venu au secours. Après, maintenant, ils ont dit mardi. As Diesel s'est délégué qu'il va prendre la famille physiquement, les amener devant les caméras de Makoso. Donc, il y avait un grand événement qui était attendu aujourd'hui, Serge, si tu me comprends. Voilà la raison qui a fait que tout ce monde-là... Sénégalais, il pense bien. Moi, je suis Sénégalais, moi. C'est ma soeur qui est votre belle-sœur. Yeah. Mais ta soeur, elle est forte, hein. Tam Tam, il faut dire, il faut garder tout ce que tu voulais dire, il faut dire, on te soutient. Tam Tam, il faut parler de ça. Je veux dire, ta soeur, elle est forte. Elle. La voix de 100 voix, Tam Tam, vas-y, dis, il faut gagner tout. 9 milliards en 7 ans, on peut faire ça. Tam Tam, là, elle fait rire. Elle est forte, même. Je bon, dis ça. Chérie, je t'ai répondu, oui ou non? Tu m'as répondu, mais tu ne m'as pas convaincu. Ah, mon frère, quel convaincement tu veux encore plus que ça, frère? Je ne suis pas vraiment. Déjà, il n'est pas sénégalais, lui, il est guinéen. Quel convaincement tu veux? Guinéen, on s'en fout. En fait, ma question, pourquoi il a fait 30 vues? Parce qu'il était censé avoir l'esprit. Il disait que, comme quoi. Exactly. Mada, audition. En fait, il a fait grave la publicité mensongère. Donc les gens, ils sont mais vous allés. Connaissez Makoso, Makoso prend les choses. Aujourd'hui, la seule proie que les blogueurs ont, c'est le cas de la famille Tioté. Donc, ils vont mettre proie là, déchiqueter la saïkène, va prendre son petit morceau et partir. Et le grand gagnant dans tout vous ça. Vous avez vu même l'entrée d'Aya aujourd'hui là? Voilà. Elle avait dit la dernière fois qu'elle lui devait son cadeau d'anniversaire, c'est celle où on met le lion aujourd'hui. Qui a reçu un lion?
Non, 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 voyez, il m'a pas fait avant de monter. Ma consoeur a reçu un lion à Aya. Aya a fait un entrée à offrir un lion à ma consoeur. Quelqu'un avait offert des cadeaux à Sosa, à Yaka Yaka. Après, la personne est montée. Non. C'est pas Yaka, c'est Aya même. Non, je comprends ça. Ça, c'est l'autre panel, je veux dire. Avant que les gens nous mouvent sur l'autre panel, il y avait un autre panel qui était avant ça. Tu vois un peu. Il y a d'autres qui rentrent avec des baouins, ils donnent avant qu'on ne les accepte dans les panels, quoi. Donc, Aya, c'est une grande. Donc, elle est rentrée avec un grand lion. Et Makoso, tu sais, ça bouge là. Ça ne s'amuse pas. Tonton Béré, bonne arrivée. Tu as la parole. Donc, tu veux dire par là qu'Aya a acheté la bouche de Makoso, c'est ça? Tonton Béré. Ouais. Non, il faut me répondre. Donc, toi, t'as dit. Tonton Béré. Attends, mais c'est qui, Tonton Béré? Mais je suis où, moi, là? Tonton non, Béré, mais... tu es là? Tu as un faux profil de Serge. Je savais. La photo vous parlez, mon combat. Vous parlez de quoi, même? Je sais pas c'est qui. Je savais. Mais demi-temps. Il y a soit le demi-temps. On voit si tu n'as pas fait écho. Ah, il est joli. Excusez-moi les soeurs, moi je vais vous dire une chose. Je conseillerais à tout un chacun de ne pas envoyer ses problèmes sur les réseaux sociaux. Parce que la tournure que ça va prendre, toi-même, tu en auras marre. C'est-à-dire, ils vont t'exploiter. Regarde, aujourd'hui, la famille a demandé, il n'y a plus de quête pour eux, il n'y a plus de cagnotte. Makocha a voulu s'éclater. Non, ils croient que quoi, bro. Ils t'ont dit, ils ne veulent pas. Où est ton problème? Il a commencé à fustiger la famille encore, dire que non. Est-ce qu'il croit que nous sommes des petits blogueurs et non, autres, il a dit un don, c'est un don. Après, c'est bon. Ça? Tu ne peux pas empêcher quelqu'un pour te donner de l'argent. On était tous là. On a écouté. Il avait d'abord fustigé. Après, maintenant, il dit non, ça vient de... Après, il a fait la pub de ce tap-tap 5, oui. Ça, c'est un marmaille. Il ne faut pas envoyer vos affaires sur les réseaux. Sinon, vous-même, vous allez vomir. Vous allez vomir et courir. Parce qu'eux, ils vont partir dans tous les sens. Les blogueurs, ce sont des affamés. Ils cherchent à manger. Donc, leur proie, là, ils vont déchiqueter ça comme ils veulent. Les blogueurs, ce sont des quoi? Des affamés. Des affamés, bro. Merci, garçon. Après, perdu. Là, pour cette cause-là... Balle perdu pour les blogueurs. Moi, je trouve pour cette cause-là, ils ont bien fait de se mettre ensemble, de secouer. Bon, après, c'est vrai qu'ils sont... Mais dites-moi, pourquoi les joueurs-là ne luttent pas aussi? Ah, ça, c'est bizarre, hein. Mais après, vous savez... Je n'ai vu aucune pause. C'est quoi, ça? Je n'ai pas vu le pause d'un joueur, en fait. Après, non, ok. Ma chérie, un joueur qui se respecte. S'il vous plaît, laissez la parole à Maggie, s'il vous plaît. Maggie. Attends, je finis ça. Tu as la parole. Non, le bro prend la parole. Tonton Béré, parle pas. Voilà, merci. Je voulais juste dire. Aucun joueur n'a fait un poste pour dire soutien à la famille, tant ou bien soutien à tel. Soutien aucun. C'est les blogueurs là, qui sont de taper leur tabou. Yeah, je ne sais pas si c'est la voix. Hein. Silence, écoute bien. Sache que les joueurs là sont responsables. C'est des entrepreneurs. Ils ont beaucoup de choses qui peuvent se gâter. Donc leur silence est mieux. Ils vont mettre leurs mains en bas. Eux, ils aident la famille directement. Si les joueurs là te disent ce qu'ils font à l'ombre pour ces enfants là, tu vas encore dire que ah pourquoi, donc faut pas qu'on associe les blogueurs. Non, c'est vrai, là, je c'est te vrai. Dis ils sont pas comparés dans leur carrière, c'est vrai. Exactly. Les blogueurs, c'est leur métier et ils cherchent l'os dans la rue. Quand ils ont un os là, tout le monde vient. T'as vu aujourd'hui, ils étaient en panel, combien de blogueurs sur un os? Donc il fallait chacun aller sucer un peu, avoir des petites vues, avoir des baouins, avoir une renommée. C'est ça, ils cherchent. C'est différent. Donc, les stars, là, ils sont focus sur leur boulot. On dit dans les commentaires que son ami, Sekou, il a fait un post. Et les joueurs aussi. Bon, ils vont se limiter à des posts, like, sur leur mur.
Ah, vraiment, s'il te plaît, pour la famille de mon ami. Bon, ils ne vont pas rentrer à fissuser la dame ou bien à parler de l'autre. Non, ce n'est pas leur boulot. Ça, c'est le boulot. C'est là où nous sommes, où ça se passe. C'est là-bas où nous sommes comme ça. TikTok, Facebook. Mais exactement. Mais j'ai l'émotion. Mais vous savez que si ça s'était passé en Europe, mais toutes les chaînes télé auront parlé ça en boucle. On a vu ici pour L'Oréal, on a vu ici pour Karl Lagerfeld, pour Johnny. Dans les télés, ils ont fait que de rêler. Même pour le jeune Marocain. Exactement, Hakimi, ouais. Maintenant, chacun doit se mirer, les stars là, ils doivent se mirer du cas de Hakimi, qui a mis tous ses biens au nom de sa maman. Quelle femme qui peut prendre un sou là-bas, si c'est pas dépense minimum que je te verse. Même notre Daï Zoko, c'est sa maman qui gère tous ces trucs. Merci, ça, ma maman bouffe tout, je m'en fous, bouffe tout. Et c'est la meilleure. Et puis on pensait que sa maman le surveillait très bien. J'ai dit, comme voilà. Toutes les célébrités là, ils ont tous des dettes, hein. Ils ont tous des dettes partout. Non, Pogba, quelqu'un parle de Pogba. Pogba, ils n'ont pas bouffé pour lui. C'est parce que lui, ils ont mis flingue sur sa tête. On lui a dit de signer un chèque de 100 et quelques mille. C'est ça, ils ont bouffé. Mais lui, il a des millions d'euros, bro. Même la villa qu'il a achetée pour sa maman en Guinée, c'est $1 million. On a une cité qu'on appelle, c'est des Chinois qui ont construit là-bas. Il a acheté là-bas $1 million pour sa maman seulement. Hein. Voilà. Il est riche, il est vachement riche, malgré qu'actuellement il a des soucis dans son club, mais il est vachement riche. Bon, son frère jumeau s'est mis aux côtés des loubards, ils l'ont arnaqué 100 et quelques mille dollars. Ça, c'est rien. C'est rien dans son argent. Rien du tout. Parce qu'il a l'habitude de faire du faveur aux jeunes du quartier quand il vient en France. Quand il y a un fait de société comme ça, ben en fait, les médias français, ils en parlent à fond. Mais les médias, ils ne voient rien. J'ai l'impression que eux, c'est silence radio. Ah, Marco se dit qu'il a rendez-vous à NCI demain. À NCI demain, 19h. Est-ce que c'est pour parler de ça? Oui, il a dit, c'est ça. Il a dit tout le monde, il l'a accompagné. Okay. D'accord, ok. Demain à 19h. Aujourd'hui à 19h. Ouais, c'est déjà ça. Après, moi, je pense que le problème de Feu Tchopé, paix à son âme, il a été très mal entouré. Quand tu es dans le monde, quand tu es dans un milieu comme ça, il faut toujours que tu as un proche ou une famille, quelqu'un de ta famille, qui soit prêt, en fait, qui gère. Parce qu'en fait, les gens autour de toi, c'est des vautours. Ils veulent tous profiter de toi, tous prendre leur place. Il y a toujours des vautours autour de toi. Si tu es mal entouré, c'est mort. Voilà. Je vais vous donner l'exemple du joueur français qui s'est fait arnaquer. Mais lui, ce n'est pas l'affaire de femme, rien du tout. N'Golo Kanté, l'argent qui. Les vautours sont autour de lui. Ils ont bouffé l'argent du petit. Malgré qu'il a un peu, mais son transfert, Chelsea, c'est ce que Chelsea a payé. L'argent que Chelsea a payé, ils l'ont donné qu'un peu. Lui, il est entré. Qui court plus que lui dans l'équipe de France? Il n'y en a pas. Mais il se fait arnaquer parce que ses affaires. Le monde du football, là, c'est comme la drogue. C'est comme la drogue. Il y a l'argent qui coule à flot. Si tu ne fais pas attention, tu vas descendre. Tu vas descendre avec. Exactement. Si tu es mal entouré, c'est mort pour toi. C'est mort. Si tu n'as pas un proche, une famille. En fait, quelqu'un qui a pitié de toi. Quelqu'un qui va de ton sang, on va te pousser. Et je pense que lui, l'erreur de sa famille, ils ont trop laissé, ils ont trop regardé. Moi, je sais pas. Moi, mon frère, je joue au foot. Je sais pas, je mets mon frère à côté de lui, soit je mets le manager. En fait, il y a plein. Maintenant, les footballeurs, en fait, ce qui est bien, eux, maintenant, ils ont compris ça. Ils ont toujours soit un proche à côté, soit leurs parents à côté, qui gèrent avec eux. Ah oui. Mais malheureusement, pour lui, la famille, je pense qu'ils ont trop. Je sais pas, ils ont trop laissé. Il y a eu trop de laisser-aller. Pour que ça arrive à ce point-là, c'est qu'il y a eu trop de laisser-aller. Bon, après, c'est. Voilà, ça devait se passer, mais au moins pour les autres. Bon, après, de toute façon, les autres joueurs, ils ont compris, hein. Il y a plein de joueurs, là, maintenant. Soit ils ont l'oncle qui est manager, soit ils ont la mère, soit ils ont le père, un frère, il y a toujours un proche qui est. Il a dit, Yass, mon fils, il joue au ballon, même sa carte magnétique va dormir. Non, mais c'est clair, il y a des mères comme ça. Par exemple, excusez-moi, Serge, je ne sais pas qu'il va me porter plainte ou m'insulter. Lui, il est très bien entouré, malgré qu'il est lourd maintenant sur le terrain, mais il gère bien sa fortune. Il profite, mais il gère bien. Oui. Je sais pas pourquoi. Quand on regarde les réalisations de Drogba, à travers ça, là, tu sais que vraiment, ils l'ont trouvé de bonnes personnes. Exactement. En fait, c'est toujours, il y a ta famille à côté de toi. Quelqu'un entouré de bonnes personnes, là, tu vois, tu sais,
Et les bonnes personnes, c'est pas comme nos autres joueurs qui font que danser Mapuka dans les bois de nuit. Mapuka, il regarde rien que le couille seulement. Non, mais après, franchement, c'est dommage. Ça fait mal, ça fait très très mal en tout cas. Mais après, la fille, pour moi, elle n'est pas tout seule. C'est impossible. Il y a trop de gens derrière cette histoire. Mais elle n'est pas tout seule. Elle est peut-être devant, mais elle n'est pas tout seule. C'est pas possible. Forcément, non, il y a... En fait, forcément, c'est l'entourage. C'est l'entourage qui l'a aidé à dérober tous les biens. C'est des gens prétentieux qui étaient autour. Tout le monde. Oui, il y a un conseiller quand même à côté. Le conseiller, c'est qui même? Le mari qui est Jojo, là. On en parle. Non, c'est ça. Il y a un conseiller qui était fort à côté d'elle, ce qui s'appelle Jojo. Jojo est devenu une star. Ils l'ont fait star. En tout cas, ça, c'est dans le congélateur des gens là-bas. Tout le monde va chercher maintenant. Ah, c'est vrai, Joana. Joana, tu fais quoi, là? Le bro continue de parler. C'est vrai. Babani est parti en Côte d'Ivoire. Elle veut voyager. Non, on ne donne pas Bawa ici. Mais tu veux voyager dans la paix. Joana, tu es sérieuse? Elle a vu, je lui envoie des trucs, mais moi, vendredi, je vais en vacances. Je vais 5 jours. Et Joana, où j'y vais, je vais faire le PA. D'accord? Non, c'est pas pour ça même. C'est pas pour ça qu'on parle. Faut écouter. Faut lire son commentaire. En fait, je répondais à Lebron. Et Joana, j'ai bien vu son commentaire. Mais personne ne va dire ça à haute voix. Soit tu te dis. Moi, elle dit ça à haute voix. Joana est pédé pour Babani. Écoute mon combat. Sèche. Sèche. Serge dort pas. Serge dort déjà. Lui, depuis que je l'ai tapé avec l'argument des plantes. Depuis ton temps que Béret est venu ici, Serge ne parle plus, il ne comprend pas. Il ne parle plus, moi, je l'ai tapé. Non, mais en plus, aux dernières nouvelles, Yaka l'a dit que comme quoi la dame... C'est la photo du gars de Mabio, là, tu as mis. Ouais, attends qu'il l'a fait. J'ai dit, personne ne parle de la sortie de Madouce aujourd'hui. Ah, j'ai pas suivi. Babani est arrivé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le 7 août. C'est comment? Oui, il est arrivé. Ah, il est arrivé. Proche de votre béret. Toi, tu veux te dire là-bas que tu es en train de conneries, tu l'as vu là-bas. Et tu l'as crié. Il est arrivé, il m'a appelé. Il m'a appelé, je suis en Côte d'Ivoire. Il a fait capture. Il m'a appelé. Donc, il m'a dit, je suis devant, on va en Bassam ensemble. Ah, ok. Le 7 août, mon combat. Madou, ça fait une bonne sortie aujourd'hui et c'était bien. Ah ouais, elle a dit quoi? J'ai pas suivi. Ah, mais Madou, elle a reçu la maca t'a loupé, machin et tout. Elle a bien fort, ces gens-là. Après, elle a parlé dans le sens de Tioté, mais elle n'est pas rentrée dans le sujet. Elle a parlé du côté femme. Elle n'est pas rentrée dans le sujet. Mandawa, mandarine, n'est pas portée plainte parce que si elle est portée plainte, elle va porter plainte à tout un pays, au fait. Exactement. Parce que c'est tout le monde qui est révolté. Mais les gens lui disent elle choisit les têtes qui l'ont blessé le plus. Non, voilà. les gens lui disent la vérité sans injure. Moi, j'ai suivi le panel. Tu dis qu'elle est prostituée et puis elle se va, là. Voilà. Ça, c'est non, pas injure. J'ai dit il y a des panels. Il y a des gens. Non, il n'y a pas de panels. Tous les panels sans exception. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de jus. Mais pour que les gens jouent. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de jus. Mais après, Joana, c'est vrai que c'est méchant tout ce qui a été dit sur elle et tout. Mais, en fait, on ne va pas dire ça a quand même servi parce que c'est ça qui a bougé un peu. C'est ça qui a fait les gens, d'autres l'ont défendu, d'autres ont parlé de ça. En fait, c'est ça qui a fait. On va dire non, tu peux faire combattre une personne, pourquoi on peut être dans le dos de la personne, il ne te croyait pas comme ça. Si on veut défendre une thèse là, on reste dans la vérité. On ne va pas dans tout et n'importe quoi, on reste dans le sujet. Mais bon, tous ceux qui sont venus défendre la famille, ils sont partis dans le caleçon de Mada pour sortir. Vous dites qu'elle a fait 3 mois de mariage, elle a fait 2 semaines de mariage. Bon, où est le rapport? Même si elle a fait 3 mois de mariage, c'est le mariage. C'est le mariage. Après, c'est pour donner l'état, comment dire? On va dire, au fait, elle a prêté le dos, ils vont chicoter, ma chérie, il n'y a même pas. Vous connaissez les panels, c'est pour cela que j'ai dit, si tu as un problème, laisse derrière le téléphone, régler ça là-bas. Dès que ça monte dans le panel là, oublie, là, tous les... Ça, le travail des blogueurs, c'est ça, et les renchérisseurs, tout le monde est là, chacun dit des conneries,
Il n'y a pas de preuve. Donc, on est là, c'est dans le jeu, c'est le game. C'est le game. Ceux qui ont envoyé leur affaire dans les réseaux, c'est eux qui ont tort. Donc, la dame va prendre beaucoup même. Elle n'a même pas pris d'abord. Elle n'a pas pris. Moi, de toute façon, je trouve que les gens ont été un peu trop gentils avec elle. Hein. Ils ont été très, 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 très gentils avec elle, moi, je trouve. Hein. C'est vrai que c'est humiliant, c'est rabaissant et tout. Mais c'était pour faire bouger les choses. Donc, moi, je ne peux pas leur en vouloir pour ça. Genre, là, je suis désolée. C'est vrai que d'habitude. Là, il n'y a même pas de pitié. Ça a bougé. Ça a bougé par coup de chose. Attends. Ça a bougé. Ça a bougé. Déjà, ils ont eu un avocat. Ils sont rentrés d'abord. Ils ont dit qu'ils avaient déjà un avocat. Donc, ça a changé quoi. Oui, mais peut-être celui de Makoussou est le meilleur. Ils sont rentrés en contact avec les maires. Parce qu'en fait, sans les maires, déjà, c'est. Il y a les preuves. Bah oui, Aya l'a dit. Aya l'a dit. Maintenant, pourquoi croyez-vous, et puis l'autre disait qu'il va tout faire pour avoir le contact. Si Aya était en contact, Aya avait déjà le contact. Aya, elle rentre avec une mère, celle qui parle anglais. Aya, elle rentre en contact avec la... Voilà, exactement. Et maintenant, il y a celle qui est en France, enfin qui est en Europe, je ne sais pas où exactement. Attends, mais il a fait 6 enfants, vraiment, cet homme-là? Oui. Mais c'est normal. C'est normal. On vous demande d'être fidèle. Là, vous traînez vos bengalas là partout. Après, ça vous dit qu'on a qu'à venir aider les enfants. Mais non. Attention. Il avait deux femmes, non? Il avait deux. Il a été la polygamie, non? Je voulais te donner vous avez, pour vous que avez appris à part qu'il y en a une. Il y en a une qui est vite. Il y en a une même. Attendez. Hé, Fred, attends. Il y en a une que la troisième qui a dit, la troisième femme, elle a des asticots qui sortent dans son bruit tout là-bas. Aïe! Moi, je... ça. Vous avez raté ce live-là aussi? Tam-tam qui a dit ça. Ça s'était dit dans un panel, mais pardonnez. Non, moi j'ai entendu ce que j'ai répété, ce que j'ai entendu. Hein. Moi je ne suis pas. Non, on n'a pas entendu ça. Oui, moi j'ai entendu. Mais vous n'étiez pas là ou là vous étiez. TikTok c'est magique quoi. Ah oui, TikTok c'est la magie. La troisième, elle a eu un des asticots carrément dans son prix. Tu ne vas pas savoir que les gens sont informé jusqu'à ce que tu envoies ton affaire sur le méta. Ah là, même les informations, ils vont les déterrer partout, vrai ou faux. Moi, ça m'a donné des frissons. À un moment donné, moi, je dis, mais la femme est mauvaise quand même. Ouais, quoi. Ah ouais, c'est. Non. Moi, je n'entends pas là-dedans. Je ne dis rien. Ah, mais je crois que ça, ils ont menti. Hein, là, je... C'est clair. Après, il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui ne sont pas forcément vraies. Non, Johanna, il n'y a pas Bawen pour toi parce que tu as attaqué tous les hommes ici. Mais c'est une fierté de faire des enfants. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7. Avec toutes les femmes du monde? Non, pas avec toutes les femmes du monde. Les femmes, quelques femmes quand même. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Moi, je descends. Allez, tourne-toi. J'arrive à parler de ça même. Pardonnez. Tornade, il veut pleuvoir, donc descend. Pardon. C'est pas Tornade, c'est Tam-Tam. Qui t'a dit que demain va pleuvoir? Moi, le nom que je vois devant moi, c'est Madame Tornade. C'est pas Tam-Tam. Il est parti dormir, Johanna. Mais Johanna, Diamond, deux jours. Hein. Hier, tout à l'heure, je l'ai vu dans le live. Mais deux jours. Hein. Tu l'as vu dans quel live? Je crois que c'était chez Makoso, non? Ah ouais, elle était là-bas? Oui. Qui ça? Diamond. Ouais. Oui, elle est partout. Elle est partout, non, on la voit plus à un moment, hein. Deux jours. Mmh. J'ai vu tout à l'heure, j'étais choquée. Bah oui, elle est là-bas. Elle s'est fait. Elle a commenté là-bas. Elle est en jeûne. Jeûne de prière. Ah, ben que Dieu accepte alors. Ah, c'est ça. Dire. Mais Jeanne a commencé à voter l'idée de Dieu aussi de là-bas. Élu de Dieu, quoi? Il faut la faire sortir de là-bas aussi. Il y a quoi? Il y avait un commentaire qui disait vous avez construit des preuves et tout ça et tout ça. Bah moi je dis à vous de déconstruire les preuves et tout ça aussi pour la faire sortir. Et non, voilà. On attend ta participation pour la faire sortir. Non, hein, moi je suis pas là. Hein. Moi je suis zéro pardon. Hein. Hey. Le bon, envoie les bawayers, voici, tu es fort. Non, moi, je suis pas fort.
Ah, c'est ça, mais c'est pas Rasta, mais. Moi, je suis Bereman seulement. Je monte, je fais le Bereman. C'est la même voix que Rasta. Je monte, c'est Waka. Non, c'est pas Rasta. Mais Joanne, à toi, même là. Quand ouais, ouais, je suis toujours sur Waka. Ça, voilà, ça, exactement. Oui, oui, si, je t'ai déjà vu là-bas. Joanna aussi est sur Rookie tout le temps. Yeah. Joanna, elle est partout. Mmh. Joanna, elle est partout où on peut la prendre. Yeah, mais surtout sur Rookie, hein, elle aime là-bas. Oui. Non, maintenant, j'aime plus là-bas. Pourquoi? Il est où même avec son gars là, l'autre là, Alex? Alex aussi, il y a longtemps, Alex aussi. Hein. Voilà, Alex a disparu avec le mouvement là, le banc. Ouais. Mais après, je pense que c'est les vacances aussi. Alex dit les vacances à Dubaï. Waouh. Wow. Il est bien, vraiment, je vais à Dubaï. Yes, toi, tu vas où? Je vais dans deux destinations, mais t'inquiète pas, mais vous allez pleurer, mais je vais vous montrer, obligé. Tu vas avec Babani ou bien tu vas avec Babani? Non, je vais avec mon mari, pas mon mari. Il faut aller avec Babani, hein. Ah, Babani, c'est quoi? Mais Babani, c'est Abidjan, non? Ouais, Babani, c'est Abidjan direct. On l'attend des pieds, frère. Il ne faut pas se moquer de Babani. Babani, c'est mon ami en TikTok. Hein. Mais apparemment, il devait aller à l'indépendance, non? Ah, c'est ça, on attend, nous tous, pour voir. Actuellement, c'est ça, mon nouveau combat. S'il va à l'indépendance, il y a quoi, même? Mais il n'y a rien, mais c'est lui qui a dit, mais comme l'indépendance est arrivée, c'est pour ça que Joanna, elle demande. Hi. Attends, bah, il est déjà là-bas, non? Il est déjà là-bas? Bah alors, il est même pas sur, on voit même pas son live. Ah, bah c'est qu'il est là-bas, alors. Là-bas. Bah voilà. Bah Joanne, elle est allée, alors. Ah, super. Super, Steven. Attends les photos. Mais vous attendez Babani à l'aéroport ou à la Macao? Mais à la Macao, comment va la comment va l'aéroport? Hein? Babani vous a fait quoi, même? Babani vous a fait, tu le vois. Ah, Babani c'est un rassureur. Qui est devenu panéliste, impossible, pardonnez-le. Il est devenu panéliste. Moi, je plaide pour Babani, hein. Pardonnez-le. Moi, je demande pardon même pour sa personne. Moi, je suis la première à dire pardon pour Babani. Lui, il était rangé. Le panel est fermé. Il est devenu panéliste maintenant. Ah, le panel est fermé. Le panel est fermé. C'est le bon qui était sur Waka là, on débarquait chez lui là-bas, donc on ne les voit plus chez nous. Donc ils ne sont toujours pas retournés sur Waka encore. Ah, non, je ne comprends pas pourquoi Steve Bess se promène dans les commentaires pour chercher son salon. Hey, vous êtes moqueur de. Ah, vous êtes méchant de votre moquerie. Je ne comprends pas pourquoi il cherche studio. Studio. Et Stilbri, elle peut allumer son panel. Hein. Moi, je dis à Stilbri demain, allume là, son le panel. Parce que toi, on est en vacances. Voilà. Non, nous aussi, tous qui nous ont quittés, on ne peut plus retourner. La porte est fermée. La porte, elle est fermée. Ah, c'est fermé, c'est fini. Mais c'est moche à voir. Hein. C'est très, très moche à voir. Eh, sur ça, il est 5h du matin. Oh. Mm-hmm. Tu as eu la chance d'essayer d'aller chercher ta photo, il a vu qu'il a supprimé. Mais... Non, il n'est pas à 5h. Ah, bien fait pour toi. Mais chanceuse, mais ça, le bon, t'as aux États-Unis, non? Elle m'a fait chanter pour moi. Elle a pris ma photo. Moi, je me fais 22h47 chez moi. Ah, je ne sais plus jamais. Et vous qui profitez bien de TikTok? Le bon. Ouais, je viens de rentrer, donc je me classe là jusqu'à 3h du matin et puis... Arrête de choco, un faux chocobio aussi. Ouais, un faux, parce que tu sais, nous, le français, c'est on vous copie français, les Ivoiriens, donc ouais. Nous, on n'est pas bien en français. Peut-être qu'il ne sait pas bien parler, tu sais, choco encore. Il parle anglais, hein, c'est un anglais, hein, c'est un anglais, genre. Bon, moi, je parle en anglais, moi, c'est en anglais, voilà. Quoi. Mais en fait, il ne sait pas parler français, là, il ne faut pas choco. Ben, si tu veux. Le point, tu te provoques, c'est ça. Joanna, c'est comme ça. Je te pose les gants. Elle est partie. Joanna. Non, Joanna, je connais Joanna. Ce Rocky, tu sais, comme Rocky, là, elle fait son panel tard aussi à cause de. Je pense qu'il y a des Américains qui montent là-bas. Donc, plus souvent, je tombe sur eux. Je ne monte pas, mais je tombe sur eux. Je vois. Elle prend un témoin toujours. Joanna, Joanna. Et bien, Joanna est obligée de répondre. Je dis, waouh. Perroquet. Joanna, elle mélange tout. Joanna, elle est là avec nous, mais elle n'est pas là. Elle mélange tout. Elle a dit. Elle est venue, elle nous a dit qu'elle allait l'exclure et tout, que Waka l'a montré son visage. Oh yeah? Après, non, c'est faux, c'était Lolo Foja. Et voilà, exactly.
Joana, quand tu vas passer nous saluer dans notre panel là-bas, Chouaka. Chouaka, Joana, est-ce qu'elle n'est pas bloquée là-bas? Joana, t'es bloquée là-bas, non? Waouh. Le téléphone, je crois qu'elle est bloquée là-bas, Joana, je pense. Je sais plus. Non, non. Tu m'entends? Oui, je t'entends non, là. Non, je ne suis pas bloquée. J'étais bloquée, mais je ne suis plus bloquée, mais je ne veux plus aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle m'a bloqué pour rien. Non, repart à cause de moi. Il n'a rien fait et bien me bloque. Donc, ça veut dire qu'elle ne veut plus me voir là-bas. Tu n'es pas monté sur le panel dire quelque chose là-bas, tu jures? Non. Rocky, c'est ma vieille, mais elle aime beaucoup, mais bon. Moi, quelqu'un qui me bloque, c'est qu'il peut me tuer. Mais je pense que elle est, Rocky, là, elle n'a pas de dents contre Waka, hein, parce qu'elle se réfère toujours de Waka. Oui, non, Rocky, non, Rocky, elle n'a pas problème avec Waka. Hein. Non, elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Non, Rocky. Mais sérieux, Yas, affaire de Waka, là. Moi, j'ai entendu, elle dit c'est elle. Donc, ça veut dire les bouches, les yeux qu'elle met là, c'est pas elle, alors. Mais attends. La photo non, c'est Waka dit. Même, c'est Waka. Non, mais parce que la bouche, ça ressemble à Poulolo Foja. Non, c'est Waka même. La bouche, les yeux. Attends, je te remets la photo. Tout concorde. Remets la photo, remets la mais photo. Mais elle a donné le feu vert d'aller sur Google. Vous allez mettre Google Pictures après, comparer. Quand tu mets dans les cases, les make-up et autres, là, ça va pas prendre. Non, mais c'est elle. Mais la photo, c'est une jolie femme. Bro, laisse tomber. Les Guinéennes, là, elles ont fini. Les Guinéennes, elles sont très belles. Ouais. Guinéennes, beauté, hein. Il y a ce même en grand. Ça, je doute bien. Est-ce que ça, c'est pas Wakatolo? Mais on dit que c'est Lolo Fuja, non? Mais c'est les mêmes bouches. Les mêmes yeux, on voit souvent Wakatolo dans les captures, là. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. La bouche, elle est un peu plus. Regarde, je vais te dire. Ses lèvres sont plus élargies que. Ça, celle-là, tout est réuni dans un petit coin. Exactement. Peut-être celle-là, là, un ça, peu. Ça, on dit, c'est non, le feu déjà. Eh, Joana. Mais il n'en disconvient pas parce que ça, les voir sur la page de Lolo Foja, c'était là-bas, je sais. Voilà. Mais je veux dire, regardez la bouche, regardez les sourcils et les yeux que Wakatolog montre, les petits parties. Non, là. Ils ont les mêmes make-up. Sauf que Lolo Foja, là. Oui, non, là, la bouche qu'elle a, elle est plus pupeuse. Elle est plus pupeuse, pardon. Plus pupeuse, hein, qui est remplie. Plus rempli. Ah oui, la gloire, on dit, c'est elle. Apparemment, elle avait donné un défi. Personne n'a trouvé la photo sur Google. Donc, c'est des non, photos. Non, je ne pense pas que c'est elle. Ce n'est pas sur Google, mais ce n'est pas elle, sa bouche. Sûrement, c'est la bouche de Lolo Foja. Non. C'est ce qu'elle veut t'expliquer. Ce n'est pas elle. Waka, la photo qu'elle met, la fille, elle a un peu un visage carré. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais elle aussi, elle a un visage carré. Non, mais ce n'est pas Lolo Foja. C'est pas Lolo Foja. Attends, je vais te dire, Joana, tu sais que. Comment on appelle ça? Toi, tu te montes ou même tu te montes pas. Si tu veux faire bezel avec ton corps, on saura que c'est pas toi. Voilà, gloire, toi. Ah, avec ses pieds, quoi, tu veux dire. Les jambes et autres, là. C'est une jolie voix. Non, c'est elle. Ben oui, c'est elle. Ça s'appelle qui? Elle a déjà fait une vidéo. Elle a montré ses jambes. Ses jambes, c'était clair. Elle était pas grosse. Voilà. Elle n'a pas caché les jambes. Elle avait fait vidéo. Mais qu'est-ce que pour que ce sont ses jambes? Peut-être c'est mais pour elle avait faut parlé. Dire. Non, elle avait parlé. Elle a parlé avec sa voix. Mais tu ça veut rien dire, ça. C'est pas une vidéo. Oh il y a des montages vidéo. J'ai compris pourquoi. Vous avez vu sa bouche bouchée? Non, elle a dit c'était dans un live. Elle a dit c'était dans un live. Non, laissez ça. Il y a des montages. Elle montre les parties de Lolo Foja. Comment on peut fantasmer son ami femme comme ça? Même pour toi, même pourquoi tu mets pour ta comme femme? Là, c'est pas les photos d'une autre. Ouais, peut-être que c'est les photos d'une autre femme. Waka n'a pas besoin de ça. Waka, c'est une non, mais parce que tu sais pourquoi elle dit ça, Yas. Écoute-moi, oui. Tu sais pourquoi elle dit ça. Elle dit, il y a quelqu'un qui est rentré dans son PV pour la menacer, pour dire, je connais ton visage, arrête de montrer les parties de corps de Lolo Foja, sinon je vais mettre ton vrai visage. Et c'est comme ça, elle est venue faire panel pour tout énerver. Et puis elle a mis la photo de Lolo Foja, elle est tentée de parler. Et puis elle lui a demandé dans les commentaires, mais c'est qui sur la photo? Elle dit, c'est moi, que les gens me menacent pour dire qu'ils vont montrer mon visage. Donc je me montre, oh, ah. Et je leur dis de se taire. Je fais, chut. Si non, tu non, prends non. Ta femme pour dire que c'est toi, pourtant au fond, ce n'est pas toi. C'est que toi-même, tu t'as un problème. Non, c'est Lolo Foja. Mais je sais que c'est Lolo Foja, Yas. Mais elle dit. Je te répète, c'est dit actuellement. J'étais dans son live. Pourquoi faire tout ce remue-ménage-là? Soit tu te montres ou bien tu t'étais à jamais. Ma Wakashu, je t'aime beaucoup, mais bon. Mais c'est une manière de faire le pourquoi jouer avec ton corps et faire des buzzels avec ton corps? Tu montes ou tu montes pas? Apparemment, il y a longtemps, elle fait ça, c'est jamais montré. Attends. Depuis qu'elle a fait ça, de Facebook jusqu'à maintenant, est-ce que tu as vu quelqu'un qui est venu brandir une photo, dire que le contraire de ce que Waka a dit? Il n'y en a pas. Non, il n'y a pas. Moi, je pense que c'est elle.
La DRC à la fin, là, il a... Oui, là, dans tout ce bon, il a plus de combien de millions de personnes sur TikTok? Personne n'est... Et en plus, elle a déjà fait des clashs. Les gens ont recevé. Mais ça, je n'ai rien dit. Oh my God. Merci, Johanna. Je comprends. T'as bon, ça veut dire quoi? Faire des clashs et puis se montrer là, où est le rapport? Non, 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 on veut dire qu'elle fait des clashs, donc elle crée des ennemis qui peuvent aller à la recherche. Vraiment, c'était un truc bon. Mais parce que les gens ne la connaissent pas, donc pourquoi vous voulez qu'on montre son corps? Mais elle, elle n'a qu'à arrêter de faire buzz avec son corps. Mais elle montre que t'es partie d'elle, parce que... Mais elle met les yeux, après elle met le nez, après elle met les pieds, après elle va mettre les fesses un jour. Et ben tu fais un collage. C'est pour taquiner les gens, comme Johanna. Non, mais taquine personne, qu'est-ce qui prouve que c'est son corps à elle? Mais si c'est elle. Qu'est-ce qui prouve aussi, c'est pas elle? Voilà. Qu'est-ce qui prouve aussi, c'est pas elle? Bonne question. Bonne question. En fait, Johanna, elle a fait une fixette sur le. C'est pour cela qu'il a vandalisé sur son panneau. J'ai compris ça. Ensemble, j'ai compris ça. Bien, on va ouvrir le panel ensemble, Johanna. Ouais. Johanna même a fait ses panels. Johanna même a fait ses panels. En fait, Johanna, elle a un truc dans sa tête. Elle se dit, les photos là que Waka a mis, c'est Lolo Foggia. Je dis, mais c'est une belle dame, hein. Ah, laisse tomber. Ouais. Non, déjà, de toute façon, les Guinéennes, de base, elles sont... Et puis, une malinquée. Qui a dit que c'est une vilaine dame? Sa tribu, là, quand elle est mixte... Pourquoi vous avez mélangé les dix des gens comme ça? Non, on n'a pas mélangé. C'est une belle dame, c'est une belle dame. Et qui a dit qu'elle n'est pas jolie? Oui, mais... On dit... Non, elle n'est pas jolie pour toi, parce que tu la comprends. Elle n'a qu'à arrêter de montrer ses camarades pour dire que c'est elle. Oh, c'est son game à elle. Mais c'est elle. Oh là là, c'est bon. En plus, c'est son game à elle. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur les panels là avec un truc qui fashionne les gens. Un jour, elle peut faire un grand événement. Elle parle des gens, donc permettez-nous de parler d'elle. Oui, c'est mon problème. Je ne l'ai pas insultée, je ne parle pas mal d'elle. Je parle de l'actualité qui est sur elle. D'accord? Non, tu n'as rien à dire. Elle est blogueuse. Elle est blogueuse. Il faut qu'on parle d'elle. J'ai parlé, est-ce que je l'ai insultée ou bien je l'ai rabaissée? Tu l'as pas insulté. Ouais, ouais, ton problème. Mmh. Mon problème est entre tes deux jambes là. Waouh! Donc, c'est la petite sœur de Rocky. Exactement. Johanna, notre panel là, il n'y a pas de ça là-bas. Mais Johanna, elle fait ses lives. Hein. Elle m'a jamais partagé. Ah, elle fait de la Johanna. Elle mélange tout là-bas. Prochainement, tu partages. Elle fait les lionceaux sont venus me biama là-bas. Waouh! Donc, tu as ton bien pour Abidjan. Les chakromas sont venus me biama. Les petits lions. Mais c'est toi qui les provoque. C'est toi qui les provoque. Quand il fait de la promotion, là, ton biama. Attends, et ton biama sur ton propre panel? Oui. Waouh! Waouh! En fait, sur mon panel, là, il y a un principe. Tu peux tout dire, tu as le droit de tout dire. On ne descend pas, on ne bloque pas. Wow. C'est pour ça. Donc, les gens ont le droit de tout dire. Voilà. Non, les gars sont montés tout bien, très bien, après, ils sont descendus. Elle s'attaquait à Kim Makoso, elle s'attaquait à la mauvaise personne. C'était tout ce qui est quand même. Au lieu d'aller parler de pourquoi Kim a quitté la compétition, il est dans l'affaire de Madala Zoum 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 comme ça, c'est même pas qui l'envoie. Je t'ai dit, c'est un os qui est là-bas. Ils vont venir là-dessus. Ça bah, cherche son petit, arracher les vues, arracher les baouins, arracher les trucs, les noms, tu vois, c'est tout. Hein. Il n'y a rien dedans. C'est bien beau parce que la seule chose que moi je félicite, c'est parce que vraiment il y a des gens dans l'ombre qui ne peuvent pas faire la grande gueule comme eux. Exactement, oui. Qui sont vraiment remplacés par eux. C'est ça, moi je me félicite. Mmh. Ça seulement, j'aime ça parce que ça va faire le combat. Ce qui devrait être à 50 va devenir à 20 peut-être, ou bien à 10. C'est clair. C'est toi ça, c'est ça? C'est qui? Johanna. Ah, c'est moi la capturée. Waouh, il faut capturer directement. Elle est en train de me séduire, yo, même si tu fais ça. Non mais c'est pas Johanna, c'est moi, c'est moi. C'est toi ça? Oui. Pourquoi t'as mis? Tu as l'autorisé ou quoi? Tu l'as autorisé? Je ne l'ai pas autorisé. En fait, je faisais un live, on parlait. Oh, vous étiez en vidéo call, c'est ça? Ah ouais, en fait, j'étais sur son live. Johanna, pourquoi tu captures? Quand tu es monté sur son live, après, elle t'a. Elle a capturé la vidéo. Waouh! C'est un joli go aussi, hein, ça va. Merci. C'est pour ça. Comme tu as Babani, le terrain est miné. Qui a.
C'est pas ça, ils ont dit tout de suite là que tu dois le rejoindre à Sosa Bandi. C'est faux, hein. C'est faux, si Joanne, mais t'inquiète, c'est faux. Mais toi, tu as deux drapeaux africains. C'est quoi, quoi? Mali, Côte d'Ivoire. Ah, yes. Ah, ok, le Mali, c'est bon. Oui. Yasso. Exactement, oui. Tu as vu le sourire, tu as vu le regard. Elle est très jolie, elle est très jolie. J'en ai un pour toi là. Faut mettre pour toi, au revoir. Joanne, le jour où un catalogue va se mettre en vidéo là. Et ce jour-là, qui a mettre pour moi. T'as vu, elle a grande gueule sur moi. Oui, Joanna, elle est comme moi qui a fait le fantôme. Je veux dire à Rocky de te reprendre encore. Attends, donc Joanna, vrai Rocky. Et Rocky l'a déposé. Rocky, c'est une zinzin. Depuis l'histoire avec Serge là. Il était juste depuis l'histoire avec Serge là. Pourtant, il a envoyé vocal en PV pour lui expliquer, mais elle n'a rien compris. Et Maroki d'amour. Maroki chou, mon bébé d'amour. Oui, qu'il faut la débloquer, pardon. Non, y a, elle m'a débloqué, quand même. Elle m'a débloqué, mais. C'est une jolie malienne. Merci. On voit que c'est pas Côte d'Ivoire seulement qui est mélangé ici. Merci, c'est gentil, merci. C'est pour ça que j'ai dit que Waka aussi, elle doit être très belle, parce que Waka, elle est malienne. Waouh! Waouh! Waka, c'est une belle dame. Je te promets. Ouais, c'est un bon mélange. C'est un très bon mélange. Donc, elle doit être très, très belle. Donc, c'est les photos qu'elle met, c'est elle. Mais comme Joanna, c'est Lolo Foja qu'elle veut. Non, Joanna, elle sabote seulement, laisse-la. Non, elle est sérieuse, hein. Elle ne connaît pas Joanna. Quoi, elle a une chose dans sa tête, là. La seule chose qu'on va faire, on va demander pardon à Rocky. Elle a qu'à débloquer Joanna. Voilà, que Joanna est plaisante. Yes, il t'a dit, elle m'a déjà débloqué. Ah, t'as débloqué, ça y est. Débloqué, ben, faut venir faire un coup. Elle m'a débloqué il y a longtemps, ben, genre. Moi, j'ai dit, quelqu'un qui m'a bloqué une fois peut me bloquer toujours. Donc, il ne va plus là-bas, il s'est fâché. C'est elle qui m'a bloqué, non, c'est maintenant moi, il s'est fâché. Ben, on va aller ensemble, alors. On va aller ensemble. Non. Quelqu'un qui t'a bloqué peut te tuer. Sinon, Joanna, toi, tu bloques les gens dans ton panel, non? Non, c'est la dernière fois seulement, il a bloqué la perdue, là, elle seule sort, moi. Sinon, moi, il bloque jamais. Mais pourquoi t'as pas invité le bon dans tes panels? Mais le bon et moi, on n'est pas amis. En plus, il donne pas bas, moi. Il fait que parler, André Rasta. C'est fatigant. Qui est Rasta? Rasta, c'est. Attends, je m'abonne à toi. Attends. Voilà, je me suis abonné à toi. Je m'abonne d'abord. Come on, man. Je m'abonne d'abord. Come on, man. On dit quoi, mon cœur? Je suis abonné à toi aussi. Ah, ok, ben je te fais le retour. Faites le retour, Joanna. Oui, je te fais le retour. Prochainement, tout ton panel, on est ensemble là-bas. Oui, les panels à Joanna, ils sont bien. Bonsoir. Non, mais là où on dit tout, on joue. Oui, on dit toujours. C'est un jet de foule. On dit que c'est un angouran. Ne vous abonnez même pas à lui-même. On était chez Waka la dernière fois. Là. Un angouran pour moi. On a déjà dû faire le retour. Je l'ai tapé ce jour-là. Je me rappelle bien. Mais toi, t'es mon ami. Je monte sur ton panel en cause. Tu te rappelles? C'est pour toi. Dans ton. Eh, moi, je suis un titilleur. Ça va? Ouais, ça va un peu, et toi? Ouais, ça va. Hein. Mmh. Hey, j'ai pas pu lire ton article là, si c'est 711 ou quoi. Moi, j'ai pas le temps. Ah, pas le temps. Très, très par aussi. Il y a l'étude de lecture de texte 778. Et je sais que j'ai dit, c'est pas des blagues. Hein. T'as vu que le conseiller en juriste là? Le juriste, c'est mad. Ouais, il a dit à peu près la même chose chez Makoso hier. Les gens qui ont fait des bêtises là, non, c'est carrément des conneries quoi. J'ai dit à votre type là de lancer son truc, ça a marché là. Il a laissé. Tu sais, quand t'es un truc comme ça là, tu continues. Faut pas dire non parce que tout le monde en parle. Toi, tu es qui? Tu parles comme tout le monde. Tu développes ta façon et puis voilà. Avec sa tête là, il dort. Qui Il dort. Il l'entend. Il va se Mamadou, Serge. Hein? Serge ou Mamadou? Non, je parlais de Mamadou, maintenant je parle de l'autre d'ici. Ah oui, Serge, j'y danse, j'y danse. Voilà. Mais attends, c'est qui ça? Joanna, c'est qui ça? Elle est rentrée où maintenant? Leslie, je suis là. Attends, faut pas me dire que ça. Leslie, là, on n'entend plus parler d'elle. C'est quelle Leslie, ça? Leslie, c'est une TikTokeuse aussi. C'est un boulot, hein?
Ouais. Voilà, ça c'est pour Yon. Yon, ça c'est pour toi. Jean Coach, moi j'ai les skinny. Hein. Hey, c'est pas vrai que tu me vois balèze comme ça. Moi j'ai les skinny piqué. Hey, le bon, tu peux. Faut demander les skinny. Les skinny que t'aimes. Et toi, tu t'amuses. Hein. Alors, tu sais qu'il y a un bolon, visa, André, moi ici là, non. Non, ne dis pas ça. D'autres aussi aiment ça, bro. Mmh. Bah oui, il y en a qui aiment. Hein. Voilà, il ne faut pas dénigrer la femme. Je n'ai toutes pas les dénigrer la bolo. Est-ce que ça, c'est dénigrement? Moi, je suis à bolo aussi. Non ah, ok. Bah, non, moi, c'est que vous devez bien aller ensemble. Ah. On dit qu'ils se ressemblent, ça semble. Ah, j'aime Coco. Par contre, c'est quoi ça? Ah, ils ont fait dans le mur. Que les murs. Moi, j'aime les femmes qui sont élancées et puis qui ont bocho. Tu vois, cral. Voilà. Coca-Cola, quoi. Voilà. Tu t'imagines quand il est. Bon, après, je vais me mettre. Bon, attends, John, mais toi, si c'est cra que tu cherches, et après, on te fait comme tu étais là. Attends. Ah, mais... Nofoutez, c'est toi qui as pris ce nom-là. C'est qui Nofoutez? Quel nom? Attends. Madame Tornade. Ah, Tornade, elle dit qu'elle a mis. Elle a fait sa demande. Ouais, elle a fait sa demande, mais je la vois pas. Je sais pas si elle est en privé. Elle dit qu'elle est partie au lit quand même. Comme pourquoi elle revient encore? Ah, et t'as vu qu'on a la même voix que Nofoutez? Depuis là, chaque fois que je t'écoute, j'ai l'impression d'entendre la voix de Nofoutez. Ah, ma voix à moi? Ouais. Et ça, c'est ma chérie. Hein. Pardon, John. John. Ouais. Non, je connais ce pseudo-gas là. Mais jamais vu le visage en fait. Ah ouais? Il y a une nana qui s'appelle Nofou, elle a la même voix que toi. Ah elle ouais? Elle a la caméra et tout. Comment? Je dis pourtant, moi je mets souvent ma caméra, tout ça. Non, j'ai jamais vu. Sa photo avec John, hein. Ça, voilà, c'est elle, ça. Tu l'as vu une fois? John? Oui, c'est elle. Attends. Café au lait. Trop bon. Brown. Ça n'a absolument rien à voir avec Nofoutez. Ça tire un petit peu sur le visage de Vina. Mais que? Une petite ressemblance avec Vina. Tonton dit, c'est ça, moi, il n'aime pas chez toi. Non, peut-être les yeux, Attends, Vina, c'est une jolie femme aussi. Non, parce qu'elle a beauté triste, là. Des petits yeux, c'est pour ça. Tonton dit, il a vu son bocho derrière, là. Bibina. Ah, Bibiana, j'ai pas vu ses fesses. Attends, je viens avec mon deuxième compte, mais je pense pas qu'il y ait quelque chose dessus. Va vérifier, t'entends bien. Non, j'ai trop lâché chez Aya la dernière fois. À cause des fesses de Bibiana, tu as donné les lions là-bas comme ça. Elle travaillait sur elle là-bas. Regarde. J'entendais parler de ça, mais qui est la rémunérée? Elle a dit, wouh, c'est pas ça. J'ai pas vu. Bon, tu vois, là. Je dis, Julien, demandez. Bibina, donne-moi ta petite sœur. Non, j'ai pas vu. Ouais. C'est ma page. C'est une jolie femme. Ah, c'est ta page. Attends, je vais regarder. Attends, comment je vais voir, Johanna? Johanna, enlève ma chérie sur le tableau. Ouais, j'ai déjà vu. J'ai déjà regardé ton truc, c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec nos footés, franchement. Absolument. Attends, tu es rentré dans son profil, c'est ça? Vite fait. Ah, tiens, moi, c'est très rapide. John, toi, moi, tu me connais mon visage. Je ne cache pas mon visage. Je viens en calme, je fais tout. Hein. Non, je ne dis pas toi. Je dis que tu es directement rentré dans son profil. Pour ça regarder. Faisait pas la première fois. J'ai déjà regardé ça maintes fois. Directement rentré dans. Bon, tu as vu, vous êtes mis, vous avez pris là-bas des trucs, comment on appelle ça? Des échos. Vous êtes venu avec non, des échos. Non. Moi, c'est juste que je suis en train d'afficher ma photo, c'est tout. Comme d'habitude, moi, j'affiche toujours ma photo. Il y a honte de quoi? Aïe. C'est moi-même, John Dia. Aïe. Je suis de nana Kiki. Ouais. Je suis de nana. Ouais. Il y a des mouvements dans mon corps. Ah, Paris, tu dis? Mais John, t'es bon. Paris, c'est bon à l'heure là avec les Jeux Olympiques là. C'est bon là-bas, chez vous. Moi, j'ai le temps des Jeux Olympiques même, mon frère. C'est juste le stade, il est à côté de moi ici. Hein. Je marche simplement, je suis au stade. Mais moi, ça m'intéresse pas. Non, tu m'as dit, c'est l'aéroport qui est à côté de toi. Tu m'as dit ça. Le stade aussi est là. Ah, okay. Le stade n'est pas loin de l'aéroport, en fait. Exactement. Ok. En fait, le stade, il a 10 minutes à pied et l'aéroport, il a 30 minutes en voiture. 20 minutes même en voiture. C'est tellement bien positionné. Et je suis à 5 minutes de Paris. Non, mais... Rien à voir avec Johanna, je suis partie voir. C'est pour ça que je faisais écho, je suis allée voir ton truc. Mais c'est vrai, Bibina a des fesses, hein?
Hey, ah, laisse tomber. C'est une grave. C'est une go, c'est une go. Ah, ah, laisse tomber. Il s'est chargé. Il a un pagazier, la go, là. Non, il est en forme. Ah, c'est Clensby. Merci, Clensby. Ouais, non, il est en forme, il est en forme. En plus, avec le pantalon. Bonjour, Anna, toi t'as capté. Ah, demandez, bah, on est jusqu'à demain. De fait, toi, tu montes pas chez moi là-bas. Ah, pas honte. Aval. Tu sais où, toi, Johanna? Tu sais pourquoi il est capturé? Parce que c'est gros, mais c'est dur. Il ne sait pas. C'est trop dur. On dit, il faut faire bouger. Elle dit, non, je ne veux pas être vulgaire. Tu ne veux pas être vulgaire, mais tu te concentres pour danser. C'est dur derrière toi. Non, tu sais, quand on voit le père, elle a remis sur la téléphone, nous, on a vu ça. C'est pas dû. Non, le père. Parce que les gens, les timides, tu vois. Mais la lumière, il dit appuyer. Tac, tac, tac. Elle peut faire des claps. Oh, quoi, même si vous êtes terrible. Elle peut faire que. Ah, c'est elle qui est méchante en clap. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est des clashes. Elle peut pas faire clap, c'est trop dur. Non, clap là, elle a fini avec clap. Oh, arrête-moi ça. Voilà. Au début, Jonathan, tu n'étais pas comme ça. Oui, tonton Dia, c'est Tito qui m'a gâté. Ouais, c'est notre ami là qui t'a rendu comme ça depuis. Exactement. Bon, ça vaut, en tout cas, ça vaut son pesanteur. Tonton Dia, envoie-moi les bains, pardon. J'ai dit, je ne suis pas en forme. Actuellement, là, ils sont en train de faire un truc là. Moi, je ne vous demande pas, mais une fois que vous demandez, c'est là, vous n'êtes jamais en forme. Je ne te demande pas, je suis en train de faire un truc. Je me suis vidé. On te parle, tu ne veux pas croire. Tu vois, là, si avait là, tout de suite, j'allais changer de données. Je suis vidé. Aïe. Je vais clapper mes fesses tout de suite. Là, tu vas voir, bah ouais. C'est méchant. Le goût là, elle est malade. Joanna fait. T'as vu? Attends, Joanna, toi aussi, tu fais des émissions comme ça? Joanna, clapement de fesses? Pourquoi John ne voit pas? Ouais. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est des barils, on appelle ça des barils. On contenait des barils pour un voyage aussi. Je suis à sauver. j'ai pas pu prendre ça, tu vois. C'est vraiment ça. J'ai pas pu prendre ça. C'est pas suffisamment de place. Oui, oui. Tu vois l'écran d'ordi là. Tu as plein de trucs comme ça là. Vous parlez-moi quand il parle. Non, c'est pas compris. Merci. Tu veux cacher mon bordel. Lensby, pardon. Merci beaucoup, le père. Tu es un ange, le père. Tu es l'ange Gabriel de TikTok. Tu envoies tout le monde au paradis. Attends, Joanna, quel père? Le père Clemsby. Attends, tu peux pas sortir avec lui? Oui, mais c'est le père. On peut sortir avec... On peut pas sortir avec son père. Hey, il est jeune, hein, le vieil. C'est pas merci. Merci beaucoup, le père. Hey, il est jeune. Arrête de dire, ok? Merci. Attends, Dia, tu as commencé tes photos, là. Là, c'est pas ton studio où tu donnes les... Bon, d'accord. Si tu commences à dormir, on va te jeter par terre. Wow. Merci, tonton, tu es trop beau. C'est ce qui est venu dans ma tête. Il y avait ta patronne qui était en train de maudire. Si elle a ronronné sur le truc, j'ai rigolé. J'ai dit, waouh. Elle dit tout ce qu'on m'a dit sur elle. Si elle... Joanna, toi et ta patronne, on peut te rire quoi. C'est la même chose, non? Mais tu sais que John, là, quand tu ressembles au pharaon. Hein? Comment? Oui, je suis beau comme un pharaon. Ça, je le sais. Attends, je vais bien mettre. Attends, ça, c'est trop pitch. Comme un pharaon. J'ai un visage pharaonique. Wow. Regarde bien, pharaonique. T'as vu? Ça fait pharaon, oui. Mm-hmm. Ouais, ça, c'est juste ma serviette qui est sur la tête. Hein. Exactement. Et ça, c'est une photo travaillée quand même. Hein. T'as vu où ça? Faut aller sur Snap. Faut aller tantôt, mais pas sur Snap. Faut pas me provoquer. Là, c'est ça, je dis. Les photos sur Snap. Je parle pas du chef de ton visage. Il faut pas faire ça. Tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas brun. Tu es noir, je t'ai vu. C'est le coup. Je ne dis pas que tu n'es pas beau. Attends, John. Voilà ce que j'ai fait. Attends. Je remets le tout en chaos. Tu as fait une
peinture, c'est ça. Parce que je suis déshabillé, c'est tout. Attends. On va voir. Ouais, je peux te montrer déshabillé, hein. Non, je suis. Non, je suis. C'est moi, Johanna, c'est pas nous. Je vais te montrer toi, même de fesses. Johanna, on attend toujours, elle est mutée. T'as vu? Regarde, t'as vu? C'est ce que j'ai fait, avec une serviette, c'est tout. Yeah, c'est ça, je dis, tu n'as pas compris hein? Ce que j'ai dit. Je dis, tu laisses ça. Mais moi, je n'ai jamais été clair. J'ai toujours été moi comme c'est un ça. Ami, un serviette. T'as vu, c'est tout. Exact, c'est juste une serviette que j'ai mis sur la tête. Et là, il vient de me laver. Hé, David, salut là, ça va. C'est juste une serviette, c'est tout. Ouais, ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il a changé là? J'ai juste regardé comme ça. Crac, c'est tout. Hé, pardon. C'est tout. Ouais, c'est bon, c'est bon. Comme le pharaon. Et là, je n'ai pas poussé le cil. C'est tout. Il n'y a rien fait d'autre. T'as vu? C'est la même chose, sauf que. Hein? C'est pas la même couleur. C'est ça, en fait, que le bruit. Oui, j'ai jamais été clair. Je me suis toujours montré en cam. Est-ce que c'est pas le même visage? Si, c'est le même visage. Mais on dirait le nez raffiné, non? Hein? Ah, là, t'as vu? Non, mon nez, il est comme ça. Ton nez est un peu gros ici, mais sur l'autre photo, non. Le nez n'est pas gros. Non, ouais, ici, le nez est gros. Pas. Attends, remets la photo. Tu sais, les snaps, les photos sur Snap, là, ça travaille, l'image. Hein. Ah non, ça tire le nez, quoi. Là, ça tire le nez. C'est pour cela que toutes les gosses sont belles. Bon, maintenant, j'allais faire pipi ici, ça, comme ça. Regarde seulement, Yass, ici, Yass. Si tu vois Yass, face to face, c'est pas la photo là. Je ne dis pas qu'elle n'est pas belle. Elle est belle, parce que le shape montre déjà qu'elle est belle. Mais je veux dire, nos appareils... Ah non, mais il n'y a pas de filtre. Hein. Moi, c'est ma photo. Mon frère, il faut juste prendre... Attends, toi, t'es marrant. Tu te prends en photo en Snap. Ah, non, mais tout le temps, tu dis non, mon nez, c'est épais long. Ah, tiens. Ah non, il n'y a pas de filtre. Mais moi... Je ne sais même plus quoi il dit encore. Et là, c'est en été. Hein. J'étais un peu bronzé. Hein. Moi, je suis plus clair que ça. Mon nez est gros. Ah non, non, non. Moi, je me montre souvent. Le one just had quoi. Je me montre souvent en vidéo, mais il n'y a pas de filtre. Okay. Cool. Ah non, il n'y a pas de filtre, c'était une vidéo en fait, c'était en live. Et Johanna, vu qu'elle m'aime trop, bah, elle a capturé. Quand j'étais en train de rigoler, je crois, je ne sais plus, je parlais, je rigolais. Elle a capturé. Elle m'aime trop, la fille, elle m'aime trop. LeBron James. Je veux dire, moi, même dans le métro, il y a des hommes. On aura problème avec le design des dias. Aujourd'hui, on est foutu. J'ai loupé. Oh là là. J'ai loupé. Ouais, tu vois, c'est la population qui met un fil, c'est chaud. Voilà, j'ai l'impression que... J'ai dit, va sur Snap. Tenez, les... Mais Snap est fait pour ça, c'est pour les photos. Alors, Toto, s'il va prendre juste Snap et puis ramène, on va comparer mon boulot de... Aïe. C'est fait pour qu'on l'utilise. Moi, je mets pour moi ton cœur est chaud. Aïe. Non, moi, je t'apprécie bien. Je dis pas que tu n'es pas beau. Je parle pas de ça. Je parle de trucs, quoi. En général, quoi, je veux dire. Non, c'est pas contre. J'aime bien rigoler. Moi, on m'a traité de tous les noms. Et toi, ça va encore? Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Que je suis pédé, je suis chauve. Qui a dit ça? Mais ça, dans les panels, parce que souvent, quand je mets, on me dit, waouh, il est beau. Quand les femmes disent il est beau, les garçons, ils commencent à dire, oh, il a une tête de pédé, il a deux boucles d'oreilles, oh, il est chauve. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Attends, Dia, qui a dit ça? J'ai dit, il y a plein de gars qui ont dit exemple, ça. Exemple, une fille. Non, les filles, on m'apprécient très souvent. Une femme. Non, elle m'apprécie beaucoup, c'est tout. On met en dehors de ça. La vieille mec qui est dans les lions, là, elle disait quoi, c'est toi? Les gens, ça là. Attends, disons, qui t'a donné des lions? Je suis célèbre. Hein. Yes. Mais explique ce que Johanna elle a dit, elle se mute, elle ne veut pas rentrer dans beaucoup de détails. Yeah, Johanna, elle est malade, elle est en train de tirer ma bouche, je vois, mais c'est qui t'a donné les lions? On m'a dit de le laisser tomber. Quand je suis venu, c'est Serge Adil, la dernière fois, tu n'as pas entendu. Il était en train de dire le nom de quelqu'un. Tu as oublié. Je suis monté et puis je lui ai dit, non, mais tu reprends le sujet aussi, Serge. Si Serge et moi, on la connaît très bien. Le sujet des nudes, là? Non. On ne parle pas de l'autre folle. Ouais. On n'a pas fait de nude, on fait pas de nude, nous. Ok, mais Johanna, c'est qui? Hi. Elle a regardé, Johanna, démute-toi, s'il te plaît. Démute-toi, tu nous expliques. Mais pourquoi on dit tonton John envoie des nudes à tous ses locataires? Elle a changé ce sujet en même temps. Elle a changé ce sujet là. Johanna, c'est pas ça le sujet. On a dit l'histoire du lion, là. C'est qui le lion, là?
Venez nous expliquer ça, c'est ça qu'on veut savoir, Johanna. Tu sais que si TikTok, ici, il y a des noms où certaines personnes n'ont pas le droit. Je ne veux pas dire, c'est Adia de le dire, il sait. Moi-même, on m'a dit de ne plus dire non, sinon mon nom va partir au Bénin. Yes, te donne l'autorisation, faut dire. Comment il va au Bénin, hein? Qui va t'envoyer au Bénin? Qui est au Bénin, Yas? Utilise un peu ta tête, Yas. On dit qu'il ne faut plus y dire non, là, sinon on va aller au Bénin. Madame là, oui, ils disent madame là. Une jeune dame comme ça, tout le monde l'appelle maman. Il essaie de commenter là-bas. Il dit, mais tu es très jeune, pourquoi tu te fais appeler maman? En plus, tu es belle. C'est ancien bras droit, Yas. Tu sais ça? C'est une amitié éphémère de quelques jours. C'est pas le problème TikTok, les amitiés ne durent pas. Les alliances aussi. Oui, c'est des alliances même ne durent pas. Exactement, c'est ça le problème de TikTok. Les gens veulent plaire aussi. Il faut être indépendant, c'est tout. Sois cool avec moi. Je n'ai rien demandé. On s'est connu chez Roro. Tu connais Roro? Exactement. Ouais, je connais Roro. Ouais, voilà, j'étais bon débatteur là avec Serge, puis d'autres personnes. Ah, avec la vilaine go là, qu'on appelle Steve B là. Sa tête là. Elle, c'est moi, il peut dire, il m'en fout. Ah, donc, c'est là-bas qu'on s'est connu. Ok, je vois. Oui, je débattais là-bas aussi. Jusqu'à ce qu'on m'insulte, parce que j'ai ramassé tout le panel ce jour-là. Il y avait un débat sur les femmes qui trahissent leurs hommes quand... Non, tu veux dire si Steel B sort et tu vois l'image, c'est pas la même chose, quoi. Non, Steel B sort, il peut l'avoir beaucoup comme je veux. Il m'en fout. Même si à ma tête, ça va grave. T'as pas compris ce que je dis. Je dis, quand tu rentres dans un salon, oui. Avant de rentrer, tu entends le sorbi dehors et tu rentres, tu cherches celle qui sort. Tu dis non, c'est pas elle. La c'est pas pareil. Elle, là, ça va lancer. Quand elle me récupère, là, moi, je connais. C'est ça, on dit Dieu. Je connais mon sort. TikTok, là, c'est magique. Comme j'aime le lui. C'est la magie. Et puis il rigole encore, j'aime. J'aime le. Il y a eu un débat avec J.M. Il est là, il veut parler. Il dit non, moi je suis dans les émotions. Même Jesse, il dit mais toi tu es fou quoi. On te domine la tête, tu parles des testicules. Ça arrive là-bas. Dès que tu le domines, lui parle. Et je l'ai dominé. Sortez des émotions. Il t'insulte. De lui-même, il y a des émotions, il ne connaît pas. Mais il ne connaît même pas. En fait, tu vois le sujet là, moi je suis allé parler. Il dit ah. J'ai posé la question à l'autre, comment il s'appelle? Bois de Ben. Le bois de Ben. On dit. Cœur de Ben ou bois de Ben? Cœur de Ben, pardon. Cœur de Ben. J'ai quelques questions à te poser. Est-ce qu'on peut vendre un bien s'il n'y a pas d'acte d'hérédité? Il me dit non. Bon, je te pose la question. S'il y a un acte d'hérédité qui s'est débouté, est-ce que cet acte d'hérédité est encore valable? Il dit non. Ça me suffit. Bah oui, mais maintenant, eux, ils montent maintenant, ils savent que là, j'ai cassé tout. Donc, j'ai dit non, tout ce qu'on a vendu là, ça n'a plus lieu d'être. On peut tout annuler. Voilà, panel là, il a oublié ça là-bas. Il dit, waka, faut bien écouter ce que tu as. Mais c'est la vérité ce qu'il a dit. Hein? Dis, c'est la vérité ce qu'il a dit. Oui, parce que eux, Johanna est parti. Non, moi, je suis là. Je dis pas John, je dis Johanna est parti. Ouais, Johanna dit, elle revient. Johanna est partie. Elle est partie regarder un autre live. Oh, tu connais pas Johanna. Elle aime ça. Elle cherche un sujet pour aller bombarder l'émission, en fait. C'est ça. Exactement. Donc, John, tu disais ensuite. J'ai dit sur le palais de Waka hier, parce que, tu vois, quand on parle, il y en a qui ne connaissent pas la loi, en fait. Connaissent pas la loi. Tu sais, cette histoire de succession, là, c'est quelque chose de tellement colossal. Et c'est un sujet qui est tellement récurrent qu'à chaque fois, dans des familles, il y a des divisions, mais internes et très, très profondes. Les gens se font très mal. Il y a des morts sur des morts. Il y a des blessés dedans. Donc, moi, j'ai dit, ah, mais Waka, tu sais, il y a ce genre de choses. Moi, je vis ça aussi. J'ai essayé de parler de ça, mais ça a commencé le jour où il y avait des problèmes avec l'influenceur là, chez Aya Robert. Il battait chez Aya Robert. Et puis, M. Touré est venu. Moi, j'ai pris la parole. J'ai dit à M. Touré, ah, il y a tel ou tel problème. Moi, en tout cas, je te demande pardon. Calme-toi, prends le temps de reprendre tes travaux toi-même. Il était là. Prends le temps de reprendre tes travaux toi-même. Parce que ça, je sais que ça va mettre du temps. Ouais, pour l'instant, tu fais les travaux toi-même. Et ainsi de suite. Parce que les juges ne vont pas rigoler. Il n'y a pas histoire de Starmania ici. Non. Il y a d'une part le propriétaire et d'autre part
locataire. Voilà ce qu'ils vont dire là-bas. Est-ce que quand le locataire venait, les locaux étaient en bon état? Voilà ce que j'ai dit à mes citoyens. Oui. Est-ce que quand le locataire est parti, les locaux sont en bon état? Non. Donc, voilà ce que le juge a décidé. Eh, Marco soit récupéré mon tuto. Allez, là. Et des vieux cons comme ça, ils sont en Ben pourtant, au final. Et c'est la même chose, tu vois, quand le truc là. Parce que quand ils m'ont insulté, là, j'ai rien dit, j'ai laissé. Et j'ai voulu dire à Aya, il dit, ah, Aya, en tout cas, c'est que M. Touré a là. Moi, j'ai bien plus que ça, même en costaud la main. J'ai des biens, comme on peut voir, des biens, des tubes, on a des gros problèmes. Est-ce que tu pourrais m'aider? On va éclater ça. Parce qu'il y a des gens, il y a des huissiers, et puis des avocats qui m'ont bouffé l'argent, mais genre, est-ce que tu pourrais m'aider? Oh, il y a des gens là, ils m'ont coupé la parole. Le temps, il a continué. Oui, ils m'ont descendu. Tu vois, moi j'étais dans l'équipe d'Aya, hein, toi, de temps en temps, j'allais faire les cadeaux là-bas. Souvent, quand, surtout quand tu avais un sujet poignant comme ça, moi je charge mon truc, hein, je m'en fous, tu vois. Donc Aya fait le show comme ça. Là. Et moi je me bats sur Aya. Tu vois, dans ça, je me suis fait connaître. Et ainsi de suite, on allait dans les petits coins. Quand Aya va dans un coin, on la suit, on suit. Tiens, il dit, tiens, ce qu'il a fait là. Voilà comment je vais connaître Mystique. Tu vois, la même dame là. Tu vois, ma photo là, c'est Mystique qui est dessus. C'est moi qui ai été le premier à mettre la photo de Mystique. Et j'ai marqué John Dia de Mystique. Eh, hey, Dia, la femme, on ne touche pas. On ne touche pas. Son nom. Ils m'ont fait bout que moi j'ai fait ça parce que non, moi il veut que Mystique me fasse des cadeaux. C'est rentré ici. Ah, c'est quoi ça là? Je lui ai donné Mystique. Tu le parlais de hey, Mystique. Ça te gêne que je mette ton nom sur moi? Oui. Elle dit, mais fais ce que tu veux. Il dit, ah, il a mis ton nom là, ça ne plaît pas aux gens. Hein. Tu sais, Mystique est très, très, très respecté là-bas. Et moi, je vois que vous avez Mystique comme de la façon, je te pose comme ça là. Gars, les gens qui sont en bas là. Il y a quoi, il y a notre marraine. Ils m'ont mélangé. Hein. Je te jure, ils m'ont mélangé quoi. Ah, pas touché à leur marraine. Hein. Non, je n'ai pas touché à leur marraine. C'est comme quelqu'un que je connais sur la toile. Et puis voilà, il y a une sympathie entre nous. Comme de la façon, il y a un toit. Non, c'est clair, il y a un droit de. Après, c'est un droit par lesquels, ouais, c'est en plus. Ouais, bah, oui. Oh là là, papa. C'est l'autre dame là aussi, je la connaissais, tu vois. La dame de qui on parle. C'était ma l'autre avant. Donc, sur le panel Roro, il y avait un problème avec l'autre dame qui a une chose qui a une incarcération là. Moi, je n'aimais pas l'autre dame là. Élu, hein, élu, ouais. Oui, je n'aimais pas. Parce que moi, elle est en train de filmer pour ma tante. Donc, à chaque fois que je parle de ma tante comme ça, là, elle se gonfle. Jusqu'à ce qu'un jour, elle me cache et elle là-bas qui se joue, là, je ne sais quoi. On était amis aussi, hein. Il est venu des cadeaux tout à l'heure là. Tout ça pour moi m'humilier. Moi, ça me fait rigoler en fait. T'as compris ou pas? Bah non, j'ai compris. Donc, quand je vais sur les panels là, je passe pour faire des cadeaux aux gens pour m'humilier quoi. Là, ça me fait rigoler en fait. Non, mais après, c'est pas méchant les cadeaux. Non, c'est pas ça, t'as pas compris. C'est bien plus profond que ce que tu penses. Une fois, tu connais Mbwa Kamer? Non. Mbwa Kamer, c'est un jeune Cameroun aussi qui est vlogueur, TikToker aussi, qui est très bon. Donc, souvent, quand Aya n'a pas envie de parler là, on appelle Mbwa Kamer. Et quand il arrive, il fait le show. T'as vu Jean reste à 5 étoiles là. Oui. Voilà, oui. C'est le même barou, tu vois. Jean, il parle rapidement, il allume, il descend. Et Mbwa Kamer, il est fort, hein. Là, je connais pas. Et souvent, il vient ici. Chez Serge. Ah oui, c'est Serge. Oui. Il a le drapeau du Cameroun. Très bon, assez comique. Mais quand il doit allumer, il allume télé. Ah bon, je vois pas c'est qui. Donc, une fois, j'étais dans un live d'un gars qu'on appelle Cœur de Lion. Moi, ces gars-là, c'est les gars, ils font des soulèvements, quoi. Oui. Mais je pense que Serge, Cœur de Lion, m'a fait une demande pour monter. Il arrive, puis il appelle moi, Kamer. Genre, il n'arrive pas à qui, quoi. Ah, en fait. Moi, ce n'est pas TikTok, moi, c'est sur le terrain. Moi, je n'ai pas TikTok, hein. Ah non. TikTok, c'est de temps en temps, je viens m'amuser parce que je m'ennuie, en fait. Ouais, voilà. Non, c'est clair, c'est pour passer le temps et tout. Voilà, la solitude, pour échapper à la solitude. Donc, moi, j'ai créé mon TikTok, voilà comment est-ce que j'ai fait la connaissance de... Et puis, il y a beaucoup de gens comme ça que je connais, des gros donateurs, hein. Oui. Je connais, on rigole ensemble, on causaille. Même hier, il y a une nana qui est venue chez Vanessa. Elle va chez Aya, elle a donné un gros cadeau à Aya, hier. Il y a un cadeau aussi. Tu vois, mais je trouve pas ça comme si c'était, je sais pas, comme si c'était une source de richesse. Non, bien au contraire, c'est une sorte de sympathie qui me permet de, voilà, d'échanger avec des gens que j'aime bien. Ouais, mais, voilà, quand tu es amené avec des gens comme ça, surtout quand il y a des belles femmes dans ton live. Ton live, c'est un live. Faut demander à Le Bon.
Et quelle jolie femme, hein. Ouais, belle, belle, belle. Il y a des jaloux. Des... Il a fait un live, me flimbo. Qui ça a fait un live? Ah, je ne veux pas dire non. Mmh. Je ne vais même plus faire écouter. On m'a dit d'arrêter de faire écouter. Voilà mon sanguin qui est en train de rigoler en bas là. Mon flimbo. Jusqu'à ce que j'arrête mes lives. Oh, maintenant, je me balade de live en live jusqu'aux aïe. Et puis bon, voilà, c'est tout. Après, ça t'empêche pas de faire tes lives, même si... Dernièrement, là, j'ai trouvé une, là, elle est jolie comme diamant, mais on se parle plus. Ils ont tout gâté. Oui, elle est jolie, hein. Jusqu'à ce que Serge me dise, non, celle-là, sa photo, tu allais prendre ça sur Internet. Ouais, je te jure. Demande à Serge, quand tu vas se lever. Mais ils ont gâté notre amitié, là. J'ai dit, non, je fais plus de bon, là. Je m'en fous, en fait. Ben là, il y a des nanas qui me demandent de faire des lives. Elles sont belles aussi, hein. Ben oui, mais si on demande de faire, pourquoi pas faire? Ouais. Même si on t'a bien massé, rien. Oh, c'est pas Goumé, va là-bas. Mais du coup, le Goumé, le Goumé de qui de la fille, là? Le Goumé de la fille, là? C'est ça, le rôle, là, c'est. Ah, en tout cas, il ment pas, hein. C'est celui qui a écrit. Elle est jolie, hein. D'où elle est jolie, hein. Putain. Et à view, elle. John, tu as dominé le panel. Moi, je vais te laisser avec Yash. Je vais aller sur Waka. Ouais, je vais dormir, là. Ouais, je vais dormir bientôt. Allez, Yash, on se reprend plus tard, ok? Ouais, j'ai dit tout là-bas après. Ouais. Tous les jours, des belles femmes, je te disais. Mais c'est qui la story, là? Et toi, tu connais, alors? La story. La story. Tu vois? T'as entendu? Ah, il y en a toujours. Mais bon, tu vois, tout est bougé aujourd'hui, quoi. Et pourquoi tu continues pas? Hein? Parce que t'as bien massé, ça t'arrive? Ouais, ça me plaît pas en fait. Bah, j'aime pas les injures. Bah, t'as créé beaucoup de jalousie. J'ai été côtoyé par beaucoup de belles femmes. Mmh. Genre, et ça touche beaucoup de gens en fait. Bah après, t'es pas venu pour les gens sur TikTok, t'es venu pour toi. C'est justement, mais si tu t'imagines, moi j'ai pas de chance, hein, souvent je vais sur chez influenceur, on me descend juste parce que les gens ont la haine en fait. Ouais, non, chez Yaka, la dernière fois, chez Aya, ils m'ont descendu. Aya a dit, mais qui c'est qui a descendu John ici? Oui, oui, oui. Parce qu'ils sont cachés, ils ne le disent pas, mais ils ont la haine, en fait. J'ai été chez Roro, et dès que je suis monté, parce qu'il y avait Marco Sou, il y en a un là-bas là, qui ressemble à un gorille. Est-ce qu'il venait chercher des nanas chez moi, et je l'envoie chier? Maintenant, je crois qu'il l'envoyait chier, ben voilà. Ça, c'est non, il l'envoyait chier parce qu'il a déconné en fait. Moi, j'avais beaucoup de respect pour la dame quand il est venu dire oui, c'est elle, moi je veux. Moi, j'ai dit, mais attends, un peu de respect pour la dame. Non. C'est pas dans le panneau que tu es venu draguer, soit tu vas chez Roro ou bien tu la vois que tu parles de cul. Mais pas ici. Moi, j'ai beaucoup de respect pour elle. Tu vois, l'attentif de qui on parlait là. Oui, oui, oui. Ouais, parce que moi, elle me consolait à l'époque, tu vois. Moi, je parlais de mon goumet et puis moi, elle me consolait. Mmh. Et voilà quoi. T'avais jusqu'à ce qu'il vienne, le vilain croyant en vous, vous venez m'insulter. Avec un goût, quoi. Mais je te jure, c'est pourquoi lui, je l'aime pas. Hein. Ah ouais? Ah, moi, mais là, c'est calmé, là. Je lui pétais la gueule. Hein? Mais là, c'est calmé, là. Ah, j'espère qu'il va se calmer. Hein. Ouais, là, il s'est calmé, là. Tu n'entends pas faire des lives. J'ai vu en train de venir. En tout cas, ce côté-là, j'ai bien aimé chez lui. Oui. Lucas de Tchoté, là, je l'ai vu bien intervenir. Il n'y a pas de séjour dedans. Exactement. Parce que j'aime pas les séjours, en fait. Oui. Là, ça fait un moment, moi, je n'entends pas faire. Ah, Dieu merci. C'est tant mieux, alors. Ouais, t'as ce genre de talent, et là, tu passes ton temps à insulter les pères et les mères des enfants. Des gens, pas bien. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est vrai. Après, je pense que c'est sa marque de fabrique, je crois. Oh, je reconnais, c'est dans ça que je l'ai connu. Ouais, voilà, exactement, comme tout le monde. Mais là, je trouve que ben, c'est bien, là, ça agit. Il insulte pas, il parle posément. Ça sera bien pour lui, en fait. Ouais, en plus, ça lui va bien. Hein. Franchement, ça lui va bien quand il est comme ça. Ça lui va bien, c'est vrai que quand tu vas dans les lives, il insulte, ben, t'as pas envie de rester, tu restes pas. En tout cas, moi, personnellement, moi, je reste pas. Hein. J'écoute, après, c'est bon. Ça me fait trop, trop mal aux oreilles, je sais pas. Moi, ça me fend le cœur, en fait. Ouais, non, c'est clair. Quand j'entends des injures comme ça, là, ça me brûle, moi. Mais même si c'est. Ça, je suis pas concerné, hein. Oui, ça me brûle, en fait. J'aime pas. Là. C'est clair. Après, TikTok aussi, ça pousse à bout. Hein. Ouais, t'as l'impression que tu pousses des ailes. Mais là, quand la réalité te rattrape, là, tu descends comme une mouche, quoi. C'est pas faux. C'est pas faux. Après, de toute façon, moi, je calcule pas. Hein. Si je veux faire mes lives, je fais mes lives. Si les filles, elles veulent monter, elles montent. Ah, t'en fais?
Non, moi, je vois de live. Moi, je vais jamais faire de live. Ah. Non, ça m'intéresse pas. Moi, je suis là pour comme ça, pour rigoler, micher, faire des pics et tout, sinon, je fais pas des live. Je fais pas des live. Je compte pas faire de live non plus. C'est pas bon. Ça rend malade, en fait. T'as pas vu ton pote, là? Si tu vois qu'il a arrêté, c'est parce qu'il aurait pu l'allumer, en fait. Serge. Ouais. Mais j'ai pas trop suivi le clash de Serge. J'ai pas trop suivi, c'est bizarre. On a parlé de nude. Moi, je me suis moqué de lui. Parce que quand mon tour est arrivé, là, tu sais, chacun prend la tontine. Hein. Il se moquait de moi. Il dit caleçon jaune. Mais ils l'ont récupéré, ce gars-là. Ouais, mais tu l'as dit. Mais tu l'as dit. Si. Eh ben, ouais, ça l'a affecté. Tu vois, c'est pourquoi le fils ne fait plus. il a mis ça dans la rigolade, mais ça l'a affecté, en fait. Non, il a assumé. Hein. Non, pas affecté. Non, je pense pas. Peut-être que ça lui a fait mal que peut-être des personnes qu'il a appréciées ou quoi renchérissent sur lui, mais sinon, je pense pas. Le problème, c'est ça, en fait. On invente des histoires sur toi pour que ça te fasse mal. Tu sais, c'est lui-même qui invente. Conscient que c'est pas vrai, mais le but c'est de te toucher. Et le mec il était touché, hein. Ouais, bah après c'est clair. De toute façon, même si c'est faux et une fois que c'est dit sur la place publique, bah oui, ça peut te piquer. Moi personnellement, moi tant que c'est faux, je m'en fous. Tant que c'est faux, je m'en fous. Mais si c'est vrai, je recevais des lions là, regarde là maintenant, il est cassé, complètement cassé quoi. Moi je l'appelais le frère lion. Ah, j'ai reçu 11 lions, j'ai été premier de France. Hein, tout ça, il y a des jaloux parce qu'il y a des gens qui aiment les barons. Hein. Donc, comment faire pour dégager la dame? Près du Serge. T'as compris la réponse? Ouais, non, c'est vrai. Mais après, c'est ça le but. Les cadeaux, c'est pas beaucoup, hein. Non, il recevait des lions ici, hein, le gars. Ouais, c'est vrai, Serge, il recevait avec. C'était qui, comment ça s'appelle? Maman Cathy. Mais elle est où? Tu la vois plus, hein? Maman Cathy est toujours là. Ah ouais, mais je la vois pas. Elle est là où la dame au lion est là aussi. T'as compris ou pas? Deux personnes distinctes. Mmh. Et plus la dame la va dans des coins parce que ce sont des amis en fait. Ok, d'accord. Okay. Le jour que j'ai reçu mon lion, c'est en parlant bien de la dame au lion que ma maman Cathy est venue me donner un lion. Mmh. Et ce jour-là, j'étais chez Influenceur, je parlais bien de la dame au lion. Mmh. Elle est apparue parce qu'on se titillait à l'époque, tu vois, mais du vieux vilain là, du porte de boule de lait, n'a pas. Pourtant, il y a plein de garçons qui portent des boule de lait. Hein? Et pourtant, il y a plein de garçons qui portent des boucles d'oreilles, hein, qui sont percés à l'oreille. Ouais, mais moi, apparemment, ça me rend comme une nana. Ah ouais? Il y a plein qui m'ont traité de gay. Hein. Je m'en fous, en fait. Moi, j'aime les belles femmes. Quand une femme est